1 sur 20, putain, t'as pas les mêmes notes quand tu dois juger quand tu dois juger l'île de l'oracle, quand tu dois juger mes créations sur Planet Coaster, Rolio. Hein. Le problème c'est qu'on doit faire un truc avec lui, mais on n'a pas assez d'endurance en fait pour arriver au bout. Lui, il va nous faire traverser des anneaux et tout. On avait déjà essayé la dernière fois en fin de stream, mais. Mais on n'avait pas réussi, c'était dur. Par contre, je dois me réhabiter aux touches de Zelda, vous ne me jugerez pas dans les premières minutes, puisque bon, on joue à Assassin's Creed qui est aussi un système de combat, mais pas les mêmes, du tout les mêmes touches. Un demi pour la maison. Pas compris. Merde, j'ai. Ouais, je lui ai pas dit oui. Mais je lui avais pas dit oui. Ah non, je lui ai pas dit oui la première fois. Je vais réessayer une fois, mais ça me semble beaucoup trop dur. Parce qu'en fait, je manque d'endurance. Attends, je bouffe un truc au milieu qui me redonne de l'endurance, mais... Faut que j'aille vite. Voilà, ou que je sois pas une grosse merde. J'avoue, je m'attendais à mieux. Ouais, je vais réessayer, je vais faire un bon score. Juste, j'en traverse, je fais comme la dernière fois et je me pose correctement en fait. Parce qu'en fait, du coup, t'as validé ton score quand tu te poses correctement. Logique. Ah, Gabdo, il veut pas me dire. Hein. Gabdo, il veut pas dire pourquoi. Hein. Il y a un truc qui la trigger. Bon, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Je pourrais agir en conséquence. Il y a un truc. Il y a un truc qui la trigger. Je sais pas ce que c'est. Au pire, dis-le-moi MP si tu veux pas le dire en stream. Juste que je sache. Parce que je me dis que tu peux ne pas être... J'ai encore fait 7. Hein. Je me dis que tu peux ne pas être le seul à avoir ce problème. Je vais arrêter d'être une grosse merde, hein, vous en faites pas. De toute façon, elle est déjà partie, donc ça sert à rien. Vas-y, c'est les virus. Un virus en téléchargeant Discord, ça s'appelle ça. Après, s'il fait attention, c'est bien, hein, s'il fait attention à ça. De la perte de temps conne de faire ça. Au moins, on a dépassé les 7. Let's go. Je suis assez imprécis sur mes montées verticales, si je peux me permettre. Bah, il est où le courant d'air? Il est où le courant d'air? Mais non, mais c'est pas forcément parce que Papa Nicole dit que c'est vrai. Encore, ce serait un logiciel obscur, mais ça va. Microsoft, non, c'est pas Microsoft du coup, mais ça, Discord, c'est quand même bien utilisé. Bon, j'étais un peu mauvais. Je réessaye pas, tant pis. On reviendra quand on aura plus d'endurance ici. Du coup, bah, le problème c'est qu'on est ici. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est ici? Les ennemis ont respawn. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est ici? Déjà, elle est où la tour de la zone? La question, la tour de la zone, où est-elle? Du coup, je pense que je vais essayer de prendre un bateau et de visiter continuer de visiter un peu les îles alentours. Voir ce qui s'y passe, s'il y a des sanctuaires à trouver, des trucs comme ça. Là-bas, qu'est-ce que c'est par exemple? Je me dis tant qu'on est là autant en profiter. Après on peut toujours stepper ici, c'est un peu naze mais. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on peut stepper ici et essayer de voler dans cette direction pour voir où peut être la tour. Ça peut être une idée.
Parce que ouais, on n'a pas de bateau en fait. On va faire ça, on va faire ça. C'était pas ici. C'est de voir où est la tour pour se reveal la zone et y voir un peu plus clair parce que là on sait pas ce qu'on fait. Et je pense après une fois qu'on aura fini d'explorer ce bas de map là, ce petit bas de map qui nous intéresse, on va essayer d'aller tout simplement chercher bah chercher la chercher la deuxième créature. Je comptais voir, en fait, le but c'était de regarder où est-ce qu'il y avait la tour. Et bah là, je peux pas voir. Ah. Non mais de toute façon, c'est indiqué quand je mets la quête, mais en gros, c'est que pour l'instant, je m'en occupe pas du tout. Bah, je me dis que la tour, elle doit être dans quelque part vers là, mais vu le temps de merde, il va faire du soleil après. Prochaine étape, c'est soleil. Soit je trouve un feu de camp, soit j'avance un petit peu et je trouve du soleil. Parce que là, c'est vraiment bah, pas un bon temps, quoi. J'ai beaucoup d'armes. On va prendre ça, c'est vu que c'est de la merde. La cousine de l'orage ou Animal Crossing. Oh, j'espère qu'elle m'a pas vu que c'est Animal Crossing et qu'elle va pas balancer. C'est quoi ça? Ça doit être un truc où il y a des ennemis. Et on va savoir où est la tour de cette zone. Je vois une tour là-bas, mais qui n'est pas la bonne vu qu'elle est déjà bleue. Attends, mais je suis en train de reprendre le chemin que j'avais pris pour descendre. C'est nul en fait ce que je fais. Elle est forcément sur la partie. Oh, je vois un truc jaune là-bas. Elle est forcément sur la partie terre. Elle va pas être en plein milieu de la mer la tour. Oh, finalement, c'était plus rapide. J'ai arrêté de forcer de reposer la question, Gabdo, t'en fais pas. Mais j'aurais bien aimé savoir juste pour. Si tu veux pas me le dire, tu me le dis en MP. J'aurais bien aimé savoir juste pour pouvoir corriger et régler le problème pour d'autres, que ce soit pas pour toi, pour d'autres, au pire. T'inquiète, personne va balancer. J'ai rien fait en vrai. J'ai juste montré. Mais elle va avoir... en fait, je pense qu'elle va avoir le seum parce que j'ai montré alors qu'elle a très peu avancé. Du coup, elle va se dire, les gens vont dire que je suis nul, gna gna gna. Vu que je suis au début. Ah, mon os Brooklyn s'est brisé. Une petite autre arme. On a beaucoup de trucs de... On va prendre une lance de gardien. Et on a deux cœurs, on n'oublie pas qu'on a deux cœurs à aller chercher. Je ne balancerai pas si tu m'en fais un sub en janvier. Non. Elle est nulle. Oh! T'as level up depuis, level up dans le jeu. Tu peux utiliser ma prière Alors à là, il y a tout un moment. sanctuaire. Mais moi, je cherche la tour. En bas, il y a beaucoup de feu. Je sais pas ce que ça signifie. Mais oui, cette putain de tour de la zone. J'ai le pire temps en même temps pour la voir, mais... Il y a du feu, d'ailleurs, des trucs sur la plage. Mais la tour de la zone. Au niveau des armes. Après, la dernière fois, j'ai pas eu de chance. Je voulais des sanctuaires d'énigmes, j'ai eu aucun sanctuaire d'énigmes. Et du coup, bah, ça m'a donné plein d'armes de gardien un peu. C'est l'air d'avoir une petite oasis. Le temps se calme, c'est pour ça que j'attends ici où j'ai plutôt une bonne vue. Ouais, c'est qu'il y a du brouillard en bas, je sais pas s'il va se dissiper. Mais où est-ce qu'elle est cette putain de tour? C'est fou ça! La zone est grande quand même, mais... Quoi ça? Parce que c'est... Une petite oasis. Peut-être cachée derrière une montagne. Ouais, non, mais c'est ce que je me dis, mais. Je vais aller voir l'oasis, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Bon, ça vous fera plaisir d'aller voir une oasis, lol. Moi, ça m'offrira un peu plus d'angle pour voir peut-être la tour.
Bizarre ça que ce soit tout plein d'eau ici. La forêt des arbres engloutis. Qu'est-ce qu'on se marre ici? C'est pas moi, c'est pas ma faute. Oh, oh. Pas la faute du streamer. C'est quoi ça? Korogu, Korogu, Korogu. Je sais pas s'il y a un temps entre chaque spawn qui fait. J'ai pas capté où c'est TP. Hé hey, hey, tu m'as bien baisé hein. Ah ah. Ah là-bas, je l'ai vu. Mais je vois plus spawn. Ça commence à être long là, non? Retour au point de départ, elle est devenue blanche. Let's go, la noire. 7. Oh, mais eux, ils me font chier. Je sais même pas à quoi ça sert de les battre. Mais oui, il faut qu'on trouve des recettes de remèdes, c'est vrai. Des recettes de remèdes. GG, ça va, c'était pas la plus dure à trouver. Oh, ça me donne envie de... Oh, ça me donne envie de refaire un poulet royal aux noix de cajou. Oh. D'ailleurs, j'ai très envie de recaler un live cuisine, tout simplement, Tu les as bientôt tous? Ouais, j'en suis à environ 5%, je les ai bientôt toutes. Non, je les ramasse. Oh, c'est un gros. J'ai envie de recaler vraiment un live cuisine. J'ai envie d'en refaire un. Hein. Le problème, c'est que la première fois, j'avais un peu un thème avec... Il y a une boule. Attends, il y a un truc à faire. On le tape, hein. On sait qu'on est capable de le taper. Vas-y, à toi. Le problème c'est que faut être contact quoi. Il décide de m'écraser. Ah. Je te protégerai. Ah. Merci Mifa en tout cas. La dernière fois, je l'avais eu sur un chargement d'attaque, mais comment j'ai fait pour... Mais oui, je l'avais stunt. Je suis trop con, je l'avais stunt. Stunt plus attaque chargée. Mais les abeilles de merde. Mon code, c'est mon attaque. Et comment on tape les abeilles classiquement? Moi, j'avoue que je les tape avec mon arme, mais... Du coup, ouais, je sais pas si vous avez une idée de thème pour refaire un petit live cuisine ou si vous voulez que je cuisine des trucs puisque je sais déjà faire. Mais j'ai vraiment envie d'en refaire un. Je pourrais caler ça dans un des sub-goals. D'aller au milieu. D'aller au milieu de tout ça, comme ça si vous vous chauffez à attendre un sub-goal, bah, y aura ça en bonus. Oh, j'ai du mal. Ton niveau en combat n'a pas changé. Comment on annule un timeout? Comment on annule un timeout? C'est bon. C'est simplement un time out. Thème tiramisu avec Juju. Ouais, mais Juju, faut le faire venir.
Yashing, il a mis elle est où ta prog? Je mets sur mon Discord même si c'est faux. Attends. Il y a eu mon lien. À qui j'ai pu envoyer mon Discord récemment? À Julien. À Nulto Kerr, j'ai envoyé mon Discord à un moment. Ou alors j'aurais dû. Mais je suis con, juste à. Je suis totalement con, pourquoi je fais pas un. Oasis méchant, Gabdo mérite. Mais je demande pas à ce qu'on dise que je suis trop fort, mais juste arrêtez de dire que je suis nul, je le sais, je le dis moi-même tout le temps. Ça doit déjà pas être agréable pour vous que je le dise tout le temps. Ça doit déjà pas être agréable pour vous que je le dise tout le temps. Du coup, faut que je mette ma prog maintenant que j'ai dit ça. Oh non, je la mettrai après ça, c'est du troll. Discord, c'est quoi? Mais sous ma gueule. C'est ben logiciel. C'est comment expliquer? On utilise soit pour parler à l'oral, soit pour parler à l'écrit. Et comment prendre la boule discrètement, Rulio? Du coup, tu m'avais pas dit. Bon là, je vais le taper dans tous les cas, je pense. Mais toi, t'avais réussi à prendre la boule discrètement? Si j'y arrive pas là, t'arrives pas à lui monter dessus. En montant dessus, mais j'y arrive pas. J'ai pas les bonnes armes pour faire des attaques chargées en vrai. Faudrait plutôt que je prenne un truc moins distance, une hache, genre ça peut être pas mal. Ah non, j'ai pas chargé! Genre, j'ai juste fait ça pour rien! Je spoil pas comment, sinon tu vas me ban. J'avoue qu'on risque de rencontrer, mais je pense que j'ai vu mon cerveau, je trouverai jamais. Lâche le bâton! Oh, Gabdo, t'as pas beaucoup joué au jeu, donc. T'as dû le voir quelques fois, mais ça doit être dur de te dire c'est comme ça que ça se fait et tout. Faut que j'attende qu'il se stabilise pour le taper. Hein. Là, j'aurais pu lui prendre, je pense. Mais j'ai pas cherché encore une fois! Je comprends pas! Puis son bouton! Oh, ma hache fait mal, hein. Je suis content de le taper. Oh, il a caché son œil! Oh, le petit filou! M'explique pourquoi ça te tapait pas là? Je te protégerai. Parce qu'il y a une protection ici, je suis trop con. Il y a une protection à cet endroit là. Bon, on l'a eu. Non sans mal, mais on l'a eu. Il nous donne de la bouffe, des ongles. J'avoue que j'avais pas trop envie d'avoir ces ongles, mais. Draco est pieux beaucoup. C'est toujours pas ça qu'il nous faut hein, pour le gosse là. Et ça, on va devoir le poser à un endroit. Ouais, on a tué le boss, mais on sait pas où on doit poser ça. Où est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être en haut? On va la lâcher, on va aller chercher déjà où est-ce qu'il faut la poser. Oui, non, il a une armure, oui, non, mais j'ai vu après, je suis trop con. Je vais monter pour voir. On a vu un coffre, hein, on l'a vu. Trop chiant de monter quand il pleut. On reset. On récupère notre énergie, on monte. D'ailleurs, sur le Discord, je pense que maintenant, dès que je serai en live, je vais me connecter au channel live. Et je laisserai bah, l'accès au channel live juste aux potes. Comme ça, ils viendront quand ils veulent. Faut l'amener à haut, la boule? En haut, hein, c'est un peu les mêmes symboles. Ou alors là-bas. Bizarre, ça. On va faire exploser cette ruche. Ah!
Je me battrai en disant que c'est Zelda nul, Gabdo il s'en fout. Oui, Gabdo il s'en fout. Comment on les tue ces bestioles de merde? Cinq flèches de glace. Ok. Bon, faut que je la mets nous ma boule. On va essayer d'aller au prochain truc, hein, vu qu'il y a plein de trucs avec des qui ressemblent un peu à ça. Je me dis, ça se trouve, c'est un chemin. Je vais à la même vitesse qu'elle. Je peux me permettre. Bossé par des abeilles. Bah, j'ai pas encore compris la strat pour les taper. En vrai, je suis pas un passionné de speedrun, hein, Gabdo. Bon. Limite, je regarderai vite fait. Si j'ai fini le jeu à un moment, je regarderai limite Ponce qui l'étende parce que ça me fait rire. Bah, parce que j'aime bien la personne plus qu'autre chose. Visiblement, ma strat est dégueulasse, hein. C'est pas la bonne strat, clairement. Faut que je la fous tout cette boule. Si, peut-être qu'il va falloir taper les boss successivement et que c'est sous lui. C'est sous lui qu'il faut que je la pose. Mais il en a une aussi de boule. Quoi ce délire? C'est sarcastique. Ah. Ça aurait pu m'intéresser, hein. Le problème, c'est que j'ai pas de flèche. On est d'accord qu'on peut pas craft de flèche. Pas possible. Il va m'écraser quand il a reposé son bras. Comment il monte discrètement le Roulio? J'ai plein vie grâce à Mifa. Inox Benjamin. C'est-à-dire qu'il est plus jeune ou c'est son prénom Benjamin? En vrai, ils sont pas très durs à battre, hein, une fois que t'as une bonne arme. En général, je me fais karma 2 secondes après. J'ai plus de hache. J'ai déjà envoyé la moitié de sa vie, donc bon. Ouais, pour moi, mon message privé du tout. Tu peux craft des flèches avec des rubis. Sérieux? Bon, allez, j'ai pas forcé là sur les flèches, parce que j'en ai pas forcément besoin, mais ça peut me servir par moment. Oh, il m'a projeté. J'ai pas pris de dégâts vu que j'ai mon bouclier, mais il m'a projeté. Je l'ai eu. Bon, il est pas très fort. Je sais pas si c'est parce que c'est un Benjamin ou quoi. Bat à point de Boko. Toujours pas ce qu'il veut, le gosse. Toujours pas ce qu'il veut. Journal de quête. Abad Ganon, les photos, la lame du héros. Le gosse, qu'est-ce qu'il veut? Ce que femme veut. Ah, mais j'ai trop de trucs à faire. Les sauterelles enduro, je sais pas où je les trouve. Il veut une batte Moblin. Non, c'est pas du tout Boko, c'est Moblin. Oh, par contre, merci pour la bouffe. Bon, on a une deuxième. On a une deuxième truc comme ça, mais qu'est-ce qu'on va en foutre? Qu'est-ce qu'on va en foutre de ces boules? Ah oui, mais il y a des rubis dans les magasins, quoi. Oui, bah, c'est pas vraiment craft. Pour moi, craft, c'est un truc un peu instantané. On va aller en haut, hein. On va aller voir, ça se trouve, c'est en haut, la solution. Il y a 3ème à battre, et en dessous, il y a le socle, il faut poser les deux. Oui, pour moi, crafter dans un magasin, c'est partir les acheter. Pour moi, crafter, c'est vraiment une utilité un peu immédiate en combat. Je veux un truc orange, parce que ce serait pas un petit socle. Mmh. Et oui, il y a les deux. Il y en a trois! Déjà, si on va en poser deux, ça sera déjà pas mal. Et on va aller chercher la troisième. Et la troisième, elle doit être dans cette direction, de l'autre côté, justement. On va rechercher.
Elle est passée où? Elle a pas despawn quand même. Non. Elle a des spawns! Je suis obligé d'aller rebattre le boss! Des spawns pas? Sérieux? Ça pour un sanctuaire? Bah écoute. Ça pour apprécier le jeu? Moi, on met une énigme face à moi, j'aime bien la résoudre. S'il y a ici un petit gars en bout. T'es sûr que ça va pas despawn en lui? Parce que là, ça me paraît bizarre. Bah là, j'avoue que la tour des territoires, ça me serait fortement utile. Tant que je vois le coffre, on va le chercher. Mais je vois pas où ça peut être hein, si ça va pas despawn. Il y a quand même une petite lueur orange qui l'indique assez facilement. Grand boomerang, ça me fait chier les boomerangs. M'en sert pas vraiment, mais à la place de l'espadon, je me dis. Bon, moi je vais retourner là-bas aller voir, hein, puisque par checker la provenance, je vois pas. Après, ça serait bizarre vu qu'elle est accrochée à son cou. Qu'elle spawn genre par terre. Je la vois pas. Un petit. Elle serait visible la boule si je fais ça normalement. Elle va rouler quelque part. Ouais, elle doit rouler dans l'eau en vrai. Mais quand je suis sorti, j'avais les deux quand je suis sorti de. Enfin, une fois que j'avais tué le premier. Pas censé l'avoir avec ça là. PvE, c'est du PvP qu'on débatte. Exactement. Exactement. Littéralement, player vs elements. Bah ça me fait chier. Bah le problème c'est que là je suis bloqué dans l'énigme si j'ai pas cette boule là. Vous avez volé ma boule les gars? Bah non, vous avez rien fait. Bah là j'avoue que je sais pas quoi faire. Je dois vous relayer quelque part mais où? Donc l'eau est pas du tout profonde. Je pense que j'ai un bug en vrai hein. Le jeu est tellement pas buggé. Oh. C'est bizarre. Je vais aller faire la troisième et je m'en pencherai là. Mais le problème, c'est que j'ai peur que si après je me barre, ça va me reset le fait que j'en ai fait. Je vais me dire, j'en ai fait aucune, quoi. Ouais, mais c'est chiant de refaire les boss. Je vais faire le troisième et puis la situation n'a pas évolué, on ira ailleurs et on mettra un point ici. Oh, j'ai bien filmé ce combat, vraiment meilleure caméra. Du coup, le troisième, je suppose qu'il est. Ça me l'a gobé ma boule en fait. En fait, ça se trouve, faut que je les fasse un par un. Sinon. Ouais, enfin, je le vois celui-là. Il est où sur la map? Enfin tu revois. Mais non, il y en avait un sur la montagne, je l'ai clairement vu celui qui est sur la montagne. Sur le volcan. Non, prends-moi pas pour un débile non plus. Celui sur le volcan, je l'ai bien vu. Et la boule elle est en haut. Ce sera la troisième, c'était normalement c'était la troisième. C'est Rayquaza. Il est stylé hein. Qu'est-ce qu'on a comme type là?
On a plus énormément de petits plats. Oh, ça régale. C'est vrai qu'il faut. L'objectif c'était aussi d'aller se donner notre bouffe. Hein. Qu'on y aille un jour la bouffe. En vrai, j'aimerais bien tomber sur un truc au pif. Genre un truc au pif qui me donne de la bouffe là. Enox est né. Donc l'autre c'était le. C'était le l'adulte quoi. Ils me feront plus chier. Ah, si l'aîné a plus de vie ou quoi. Oh mais il y a lui aussi, putain, quel chien. Lève s'est brisé. J'aime bien te prendre pour un débile. Non, non, mais après oui, c'est peut-être que je... c'est possible que je lui ai pas dit, hein. Je dis pas tout ce que je vois non plus. Mais je suis certain d'avoir déjà vu l'autre sur le volcan. Et je sais que t'étais là sur la session où je l'ai vu sur le volcan. Attends qu'il m'attaque pour lui mettre une grosse attaque en contre. Puisque le problème c'est que à tout moment il m'écrase et c'est réglé quoi pour mon compte. Et attaque-moi un petit peu! Oh, je suis trop loin. Mais c'est quoi cette attaque de feu là? Ah, bah il m'a écrasé. Il m'a écrasé! Non, je suis une merde! Le problème c'est que. C'est que j'ai plus de flèches, et que les flèches c'est trop simple. Bon, c'est pas dur non plus. Moi, peut-être que la mort va me. Va me régler le problème de la boule qui disparaît. Je sais que c'est une question bizarre, mais est-ce que je mange une madeleine ou pas? Est-ce que tu as faim ou est-ce que c'est par gourmandise? Si t'as une petite faim, fais-toi plaisir. La madeleine, c'est bien. T'as pas faim? Ne cède pas à la gourmandise. C'est un petit creux, pourquoi pas, hein? Putain, mais faut que j'évite de faire de la vie contre eux. La réveiller évidemment, de faire tout ce trafus, mais... Oh, faut pas que je perde de vie contre eux. Boissonnerie. Oh, pour moi je les règle, je règle leur compte et après on s'occupe du vrai gros. Ok. J'aime bien, j'ai fait ok en mode les choses sérieuses commencent. Et je me suis fait éclater la gueule d'une force. C'était exceptionnel. Ah bon, ok, t'es tellement mal timé vu ce qui s'est passé. Non mais lock-toi sur lui. C'est dur sans flèche. C'est dur sans flèche, putain. Trouve. Alors, il est où ce boss? Merde, tes armures aussi, tu veux pas te faire bosser en boucle, c'est pas con. Au pire, de toute façon, quitte à ce que ça soit bugué, autant s'en aller de la zone, aller se donner nos cœurs, augmenter notre armure. Parce qu'en fait, il y a un village où on peut tout faire. Le village pas délimite l'autre. On peut tout faire. Je fais une dernière tentative et après on se TP et on essaie de revenir ici. Alors, je suis désolé, c'est du pur slow run, mais moi ça me va. Je prends la baguette, comme ça je le tape à distance.
bon ça. Ah, encore faut-il savoir viser. Il s'en bat les couilles. Ah non, il a un niveau de bat les couilles, c'est exceptionnel. Non, non, bon, on oublie. Le boomerang, il s'en bat les couilles aussi. Non, mais on va prendre des bonnes armes, tout simplement. Non, mais il y a peut-être une limite entre le speedrun et le pur slowrun que je suis en train de faire. Et après, ouais, on va aller à Cocorico, et en fait, à Cocorico, on pourra... Mais beaucoup, là, non? À Cocorico, on pourra avoir des cœurs, et en plus, on pourra, du coup, améliorer notre armure, puisqu'il y a la fontaine. J'arrive à le battre, quand même. Les autres, je les ai battus sans problème. Après, lui, c'est l'aîné, quand même. Hein. Ok, bon, on va à Cocorico. On va à Cocorico. Le gamin va vouloir la baguette. Non, le gamin, maintenant, il veut une massue beaucoup. Non, une massue... Je sais plus quelle massue il veut. J'arrive pas à trouver. À chaque fois, je check, je la trouve jamais. Bon, allez, allons voir Cocorico. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de moyens de revenir ici. Au pire, non, si, en fait, on va se jeter depuis la tour, là. Je pense que ça sera bien. On va à Cocorico. Et on va améliorer notre armure. Et on va améliorer aussi... Et on va améliorer notre vie. Et on va revenir immédiatement avec la tour des limites. Rolio est en ligne! Merde, faut que j'avance quand même. De quoi Momon. Ça marche, on voit enfin en ligne sur Switch. Ah mais oui, du coup t'as réglé ton problème. C'est vrai qu'avant on ne voyait pas en ligne. Moi c'est mon deuxième compte Steam. C'est quoi ça? J'avais pas de flèche pour le taper, du coup il a disparu. Je sais pas ce que c'était, j'avais jamais vu ça de ma vie. Sous ma gueule. Youhou! Il est sous de ma gueule, je sais pas où il est passé. La fontaine, pour améliorer nos armes. C'est bien qu'on prenne les petites fées là aussi. Je les ai loupées. Juste nul. Du coup, on prend ça. C'est quoi la bestiole bleue? Loup, ça. Si je prends des trucs silencieux, il y a moyen peut-être d'être plus discret, de voler les boules aux monstres sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, vas-y. Le problème, c'est que j'ai détenu une merde, en fait. Mais après, j'ai de quoi les améliorer. Mon bandana, il est au niveau max. Ah non, j'ai pas de lézard pour mon bandana. Bah go. Donc en fait quand je me bats faut que j'ai ça. Et quand je me bats pas faut que j'ai ça. Je pars bon live. C'est un monstre rare qui a une chance sur 1000 de spawner. Sérieusement? Pas de problème Gabdo, bah merci d'être passé. Et à jeudi. Prochain Zelda jeudi. Non c'est faux. Je sais pas, j'ai jamais vu. Du coup, je vais réaméliorer mes tenues que j'ai déjà. Hein. Ça, je l'avais vu. Putain, j'ai pas fait gaffe. Pas demain le live. Et culotte barbare, je me rappelle même pas l'avoir pris. Si, demain je live.
Mais demain, c'est sur Assassin's Creed. Je sais pas que ça... Ça t'intéresse. Est-ce que j'aurais assez pour augmenter le casque? Je sais pas. À la fin du labyrinthe, la culotte. Ah ouais? Je m'en rappelle plus. Ok, mais là, on va avoir des trucs. J'espère que ce sera puissant, moi. Et du coup, j'augmente le casque. Je me dis, vas-y, le casque, on va l'augmenter. Et comme ça, quand on sera en combat, on sera tout l'équipement... l'équipement casque et compagnie. Test de nage. Pas mal quand on a une grande zone de nage à traverser. Cool, le casque, je peux l'améliorer deux fois. Bon, je passe. C'est bon, on a compris. C'est bisous. Oui, encore le casque. Ah, je peux pas. Il manque des viscères de Moblin. Après ça, je m'en branle. Hein. Ça, c'est pour... Ah, ça, c'est plus d'attaque. Matériaux, on ignore. Vraiment, là, pour le moment, on ignore. Ok. Bah, j'espère que ça va m'améliorer beaucoup de beaucoup le truc. La valeur qui est affichée, c'est le nombre de cartes de cœur que ça soustrait. Compris là, j'avoue que j'ai pas compris. Ça, quand on se sent fou comme ça, ça fait 31 quoi. Et après, on est moins rapide en escalade. La valeur qui est affichée, c'est le nombre de cœurs que ça soustrait. J'en veux des libellules! Il disparu. Bon, on se remet deux cœurs dans le village. Et on repart à la guerre là où on était. Pratique ici, il y a tout au moins. Un cœur en plus! Oui! Si tu as 5 d'armure, tu perdras 5 quarts de cœur en moins à chaque fois, je crois. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, j'avais pas capté ça. Du coup, là, à chaque fois qu'on me tape, je perds 29 cœurs en moins. Et je comprends pas, du coup, les monstres me touchent, les monstres de base me touchent même plus. Ouais, j'ai 29 au total. J'ai 31 même quand j'ai mis le casque. Bon, alors, j'ai rien compris. Des cœurs de la vie! Va, il ramène la peur en Hyrule. Pas de problème. Du coup, on reprend cette tour et on descend. En plus, on a l'endroit où il y a écrit Game Over. Donc, parfait, on va pouvoir y retourner sans problème. Les flèches! Les flèches. On y retourne. Oh, vous avez bien regardé, hein, vous avez bien regardé mon speedrun sur Uncharted, donc temps de chargement simulator, vous pouvez tanker, hein, c'est pas grave. Petit aller-retour, mais c'est rien. Ok, t'inquiète. Ah non, mais si j'oublie les flèches, c'est vraiment le moyen simple de les battre, donc ce serait con d'oublier les flèches. Peut-être que du coup, je vais réavoir des libellules. Mais je galère à choper toutes ces bestioles, les libellules et compagnie, là. J'ai une quête qui me dure depuis 15 ans. Je sais même pas où les attraper, en fait. Je sais même pas où les choper. Quoi, ça, là-haut, c'est un monstre. Alors, où est-ce qu'ils vendent ça? Les armes, c'est où? Attends, bah, c'est écrit sur le truc, là. Les armes, c'est commerce, auberge, vêtements, commerce. Bah, c'est le commerce. Plutôt là-bas. Je suis un peu rude. Ah, mais ça va être des... Du beurre, carottes, tempo...
Ouais, non, ça m'intéresse pas des masses, ça. Moi, je veux des armes. Voilà. Je veux tout. Je veux tout. Après, il n'y en a pas énormément, j'ai l'impression, quand je dis tout. Hein. Après, j'utilise pas les flèches de feu et tout. Je devrais peut-être, hein, quitte à... au moins, ça le sonne pareil. Bon, cette fois, est-ce que j'ai tout? Ça me semble bon, cette fois. Du coup, je peux retourner là-haut et me re-TP à ma dernière mort. Bah, aller à ma dernière mort. Quelle direction? Là-bas? Là-bas? Bah, allons-y. C'est assez loin que j'ai pas 150 000 de distance à faire. D'ailleurs, je vois toujours pas la tour de la région. C'est quoi ce truc vert là? Si on fait sauveur là-bas? On l'a vu le faisceau vert. Hein. Ah bah pas très loin hein. On va pas super loin. C'est vrai, je sortais de la paravoile, donc mon énergie était relativement limitée. Là faudrait que je coupe. Non, je dans la bonne direction. Arrêtez de spawn tous les 2 mètres, vous, je m'en fous. J'en ai 150 000 de gelée de votre truc là. Surtout si vous êtes les basiques. Je le recte maintenant. On va voir si ça fait une diff. Hein, mais... Pour l'instant, je sais pas trop où je vais. Plus là-bas en fait. Non? C'est plus là-bas. Ah ouais, c'est plus là-bas en fait. Quel enfer d'avoir dû faire cet aller-retour. Par contre, j'espère que ça va me conserver le fait que j'ai rempli quand même, j'ai mis quand même une boule. Du coup, maintenant, je vais grimper moins vite. Il faut que j'ai retiré mon truc pour grimper vite. Ah, le lézard, il va trop vite. Les bestioles comme ça, j'arrive pas à les attraper. Je sais pas comment faut faire en vrai. Va monter si haut la première fois. Juste à gauche. Ouais, le chemin il paraissait bien et rectiligne, mais il y a des montagnes au milieu. Et là je suis où? C'est celui du haut en fait, je suis directement à... Directement à, en fait au bon. Je suis directement à celui que j'avais été, j'étais allé en dernier. On y va comme un bourrin. Hein. On tape déjà toutes les petites merdes. Je l'ai pas vu lui. Voilà, les petites merdes, c'est fait. Maintenant on s'occupe sur lui. Oh merde, j'ai une feu, de feu. Bon, bah prends un petit peu feu. Je sais que tu le crains pas trop. Bah, même pas du tout d'ailleurs. Attends. Du coup, faut que je me mette. Tu peux me regarder? J'ai pas encore pris de dégâts, donc je peux pas voir l'influence que ça a sur les dégâts que je prends.
Non, ça c'est le pire truc. 60. Oula, peut-être on va pas utiliser un truc 60 non plus pour lui. Elle s'est brisée. Ok, bah c'est rapide hein, l'usure des armes ici, putain. Ah. Oh non. Oh non, il s'est protégé pile dans le bon timing. Arrête de cacher ton œil. Tricheur. T'as un trou quand même dans ta protection. Quoi? Ok, il met sa main, c'est considéré comme protégé même s'il y a un trou. Il triche. Au moins ça lui fait des dégâts les flèches. C'est ce combat de l'enfer où il se cache tout le temps. Mais putain! Inox aîné, tu casses les couilles, frère! Je savais que je pouvais le tuer avant qu'il me raid. Oh, putain, quel casse-couille celui-là! Maintenant tu peux tanker. Oui, j'avoue que j'ai pas. Il m'a pas tapé une fois. Mais après aussi, si j'ai pas pris de dégâts une seule fois, c'est parce que je pouvais jouer à distance avec mon arc. Donc l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ça se justifie, non? Non? D'accord. Bon bah non là. Par contre, il a pas lâché de boule? Attends. Attends là. J'y pense. Ah non, elle est là-bas. Frieur comme ça là? Oh voilà, celle de la montagne qu'on a fait tout à l'heure. Ah, où on était tout à l'heure, où on s'est TP tout à l'heure. Oh d'accord. J'aimerais bien avoir mon casse-pierre comme j'avais la dernière fois là. Le truc était incassable et j'ai fait la connerie de l'utiliser sur un truc que j'aurais pas dû. Par contre, j'ai plus où c'était. J'ai plus où c'était qu'il fallait que je l'amène. Ça doit être là-bas. Laisse-moi. Ils sont chiants. Laisse-moi tranquille. Bah non, c'est pas là. Ah merde, j'arrive de l'autre côté en fait. En haut. Sérieux? Mais là je suis allé, j'ai atteint celui qui était en haut. Lui normalement il était sur la même ligne que... Bah, ça doit être à l'opposé du coup. Aucun swag ton armure par contre? Bah ouais mais... Au moins, quand je fais un combat, j'arrête de crever tout le temps, non? C'est long en plus le déplacement avec ça. Et du coup, c'est vers là-bas. Hein. Là-bas, j'ai l'impression que c'est d'où je viens. Là, je retourne vers là. Truc bizarre là dans mes déplacements. Moi, c'était pas vers la zone justement que j'ai pas débloqué, vu que je venais de la zone que j'ai pas débloqué. Là, c'est où j'ai affronté le deuxième. Non, même pas. Tu es perdu. Au moins, si je serais arrivé sur celui-là en premier, j'aurais galéré. Là, même en sachant ce qui s'est passé, je galère.
Et j'ai fait tout le tour de la zone. J'ai fait tout le tour de la zone. Je vois rien. J'aurais dû check sans la boule déjà. Mais tu me dis en haut, je suis sûr que je partais dans la bonne direction à la base. Voilà. Là-bas, en haut. Oh, rien du tout, c'est plus bas que le boss. Ok, ça m'a gardé la save du premier. Tout est bien. Bon, maintenant, le problème, ça va être de retrouver la troisième boule. Je vois que tout ça pour un sanctuaire, c'est violent, quand même. Qu'est-ce qu'ils disent ce message quand même? Parce que je n'ai même pas regardé du coup. Les orbes antiques protégés par les géants du monde du terme ouvrent le chemin vers l'épreuve du héros. Ouais, bah il y avait en fait il y avait un truc comme ça avec écrit secret des trois géants où tu peux juste suivre le truc. Et du coup. Ah bah je pensais qu'il allait m'indiquer celui que j'ai pas fait du coup. Le problème, c'est que du coup, là, ça a pas respawn, la boule. Je suis mort. Je suis niqué. Ou alors, elle est quelque part. Elle est quelque part. À moi de la trouver. Moi, je pense que du coup, elle est dans les coins, mais elle s'est perdue. Elle s'est perdue en endroit. Je suis niqué, hein. Si l'autre il apparaît spawn, c'est forcément qu'elle est là, parce que je l'avais amené ici. Mais je crois que je suis full niqué. Bah, ça paraît être les boules vu qu'il n'y a pas le. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Il n'y a pas le méchant. Peut-être que lui c'est parce que je l'ai tapé, mais c'est pas voir si je vais là-bas. Peu d'espoir, hein, mais. Ouais, mais sans impression d'origine, là-bas il y avait rien du tout. Moi je regardais d'en haut. Peut-être que j'y avais pas la distance d'affichage, mais. Et là je le verrais, quoi. Il était au milieu, il était allé au milieu là. La boule est là en fait, j'ai rien dit. C'est bon, enfin pouvoir finir ce sanctuaire de mort. Aujourd'hui, on va avoir fait un sanctuaire. Un sanctuaire. On aura fait un sanctuaire, ce sanctuaire de merde là, qui nous aura pris 15 ans. Qui a fait fuir Gabdo. Parce qu'on se faisait un petit peu trop chier quand même. C'est rigolo le micro délai. Je pourrais pas jouer sur mon retour. Il y a un tout petit délai. Il est quasiment nul, mais juste assez pour être injouable. Ok. Fais spawn ce sanctuaire et donne-moi. Donne-moi un emblème de triomphe. Yes! Du coup, je suppose que là, c'est encore un sanctuaire où c'est considéré que j'ai fait l'épreuve. Et du coup, je vais rentrer. Quand je vais rentrer, il va me donner la truc instant. Normalement c'est ça. Putain j'en suis à 38 sanctuaires du coup quand je vais avoir validé celui-là, c'est pas mal. Au moins on se stuff bien pour les combats.
Au moins, on récupère de la vie, on récupère de l'endurance. Longue épée électrique. Ouais, je prends, ça a l'air rigolo. De toute façon, j'ai ça, donc bon. Évidemment, ne pas sortir au moment où il y a la foudre. Parce qu'elle est déjà sur toi, la foudre. Oui, oui, c'est bon, donne-moi mon truc et tais-toi. Je respecte pas. Bon, à la base, c'est même pas ça qu'on était venu foutre, hein. On cherchait la tour de la zone. Putain, une après-midi, je suis en ligne hein, quand on propose là. Donc, la tour de la zone, on l'a cherchée où? Le temps, après il va faire beau, ça va. On l'a cherchée où? Donc, plutôt vers le sanctuaire bleu qui est là-bas, je me rappelle, je l'avais marqué, on est arrivé de là. Il y a une grosse montagne quand même à ma droite. Hein. Il y a une grosse montagne. Je me dis que ça peut très facilement masquer une tour. Non, ça a l'air d'être un chemin vraiment qui nous dirige en mode va là-haut quoi. Le problème c'est que la pluie, je suis en train de rechercher un truc, ça m'aide pas du tout. Je vois même pas le sanctuaire bleu que... Je vais aller faire le sanctuaire, en vrai comme ça me fera passer la pluie. Et comme ça, quand il n'y aura plus le sanctuaire, je verrai quelque chose. On va se taper ici déjà. Logiquement, il y a vraiment une logique sur les sanctuaires? Bah, ou alors c'est juste c'est ta mémoire, c'est ce qui rentre en compte. Attendez les gars, j'ouvre mon truc. Ah, je reviendrai après. Oh, esquive. Oh, je lui fais rien de dégâts. Ils vont me déglinguer avec leurs armes. Des flèches, je prends. Merci de m'avoir amené ici. Mais c'est bon, arrête de souffler, tout le monde a vu que j'étais tombé ici. Mémoire des deux fois où j'ai fait le... Ah oui, c'est vrai que tu l'as fait deux fois, toi. T'es chiant, tu peux pas trop t'approcher d'eux. Arme... on va les battre avec leur propre arme. Ah ouais, moi c'est pratique par moment les lances. Ça fait rien de dégâts, mais au moins, quand tu veux spammer. Au moins, on use l'arme très rapidement. Pour prendre des bonnes armes quand on en a. Il y aura du loot à récupérer ici, hein, putain. Deuxième fois en hard. Sans jamais rien escalader. Ah ouais, quel enfer. Après, des fois, tu devais monter sur des surfaces sans faire exprès. Sans escalader, mais quel enfer. Quelle idée de merde. De génie, mais de merde à la fois. Merci pour les flèches. Je suis en grand besoin de flèches. Par contre, il en reste un dans la zone, non? C'est pas un gars? La contre-attaque!
Oh mais putain, mais mes armes, elles se pètent en 2-2. Ouais, bah ouais, bah je suis un peu con. Accordez-le moi, j'ai le droit d'être con. Au moins on a récupéré pas mal de flèches ici. Par contre, qu'est-ce que j'ai foutu du coffre? J'ai pas tué le dernier par contre? Sérieusement? Attends, voilà. Surtout que je fasse le truc pour figer si je veux voir le coffre en vrai. Comment ça, je vois pas le coffre? C'est où? C'est juste taper ici pour rien en fait? C'est juste taper pour rien ici. Le chevalier, je prends. Genre, j'en ai rien tiré de cet endroit. Il y avait un coffre, il a disparu. Est-ce que j'ai pu le péter? Il y a un arc de chevalier dedans. Bon, c'est pas non plus une folie, mais c'est mieux que certains arcs que j'ai. Bon bah tant pis. Ah, juste pour le plaisir de faire un génocide. Un peu. Oui, il est où le sanctuaire? Ah bah il est là. Mais là c'est un village en soi. C'est un village ici, j'avais pas capté, c'est pour ça qu'il y avait autant de feu, un petit village. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé un village. J'y pense. On a eu Elimite, juste après Cocorico, juste avant. On a eu Elimite et Cocorico et c'est tout. Oh, Cocorico en premier là. Cocorico et village d'Aura. Oui, j'ai eu le village d'Aura. Ok, c'est de l'énigme. Va falloir faire que ça pèse autant de chaque côté. C'est une balance, mesdames et messieurs. Bah non. Je sais pas si c'est comme ça qu'on passe, mais soit. Et c'est déjà fini la partie énigme du truc là? On va aller en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? J'ai perdu? J'ai cassé le truc? C'est perdu? Oh merde! Ah ouais, mais là c'est loose. Bon bah faut qu'on ressorte et qu'on rentre. Petit problème de cerveau là. Le débile. Mais non, mais j'ai vu un truc en haut. Et bon, je me suis un peu trop approché du bord, certes. Mais bon. Il y a tout le monde des petites erreurs comme ça. Comment je vais là-haut par contre? Ça m'a l'air impossible. Pourtant ça a l'air possible à la fois. Ouais, bon, complètement foiré. C'est de l'à peu près. Maintenant que t'as pas trouvé une photo aussi. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir les endroits où il y aurait une photo ou pas. Oh, j'ai pris mon épée de feu, j'ai même pas fait exprès. Non, tu sors les armes de merde. Oh, elle me fait tellement mal que j'ai pas envie de la gâcher sur un vieux mob comme ça. J'ai beaucoup de vie moi, j'y pense.
Du steak grillé? Normalement, c'est moi qui contre-attaque, pas toi. C'est vrai que les photos, ça fait super longtemps. C'est chiant, il devrait directement proposer d'échanger si t'as envie, puisque là t'es obligé d'aller dans ton inventaire et de faire de nouveau l'animation pour... Oula. Faire de nouveau l'animation pour ouvrir le coffre. Ouais, je sais pas comment on allait là-haut, hein, parce que visiblement ça a l'air possible. Direct moi toujours mon cube, j'aime bien. Je pense que ça va être ça. Je suis trop con, je sais pas gérer mon bloc. Ça va être la fin du sanctuaire, non? Ça va ouvrir la porte. Ouais, aussi on pouvait passer comme ça, mais moi je suis venu là. Oui, ça m'a ouvert cette porte là. Ouais, bon, d'accord. Parce que si je monte là, qu'est-ce que ça va faire? Si je monte là, ça va rien faire du tout. Qu'est-ce que ça fait que je monte là, tout le monde s'en branle? Et là, j'ai clairement pas la hauteur pour accéder là-haut. Mystérieux tout ça. Il fait dans le désordre, sérieux? Une giga balance. Ah, Chuck joue. Chuck il s'entraîne. Chuck il s'entraîne. On le voit. Alors qu'il gagne déjà, il s'entraîne au mini-jeu. Sérieux? Il est parti acheter des autocollants. J'ai pas regardé les autocollants. Si on va faire ça comme ça, on va le faire comme ça. Ok. Ah, mais du coup, la suite, c'est en haut, en fait. Du coup, faut juste qu'on fasse en sorte de pouvoir monter... La perspective. Ouais, c'est que celui-là il est trop... À un moment on va devoir figer je pense, hein. Ça va être obligé. Comment je m'y prends? Pas effiger le déplacer, et en fait il faudra un deuxième cube tout simplement. Et si je m'enlève, je redescends. Ou alors, au pire, je m'en fous, je descends juste ça, je monte dessus. Bah ouais, mais je suis con, pourquoi je me fais chier à faire tout ça? J'ai juste à faire ça, monter là et te foutre en face. Mais pourquoi je me prends la tête? Je m'invente des énigmes là où il n'y en a pas. Faut juste sortir de cette zone tout en le portant. En fait, faut que je le mette le plus au bord possible, déjà. Peut-être que je pourrais l'attraper comme ça. C'est que je le vois plus du coup.
Comment ça se passe, le cerveau chauffe, qu'est-ce qui... Mais quoi? Mais je veux le récupérer le bloc. Il y a quoi de compliqué à comprendre? Le problème c'est que je peux pas récupérer le bloc. Si je fais... Con, je suis trop con. J'ai marre d'être si con. Mais je pensais pas que ça se figeait ce truc de merde là. Mais je suis sûr qu'il y a un deuxième bloc à un endroit. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de monter là-haut, clairement? C'est sûr qu'il y a un deuxième bloc, mais je sais pas où il est. C'est obligé. Je peux grimper nulle part. Là, je suis sûr que je pourrais grimper. Et en haut, il y a l'air d'avoir plein de trucs intéressants. Ça me frustre. Non? Ok, d'accord. C'est nul comme sanctuaire, alors. Je vais me chercher du chocolat pendant qu'elle me félicite. Oui, bon, j'ai mis du temps. Mais il y avait du chocolat, mais il y avait l'emballage, mais je trouvais plus le chocolat qu'il y avait avec. Parce que si je me dis, bon, encore si ce serait Laura, je me suis dit, bah c'est totalement possible qu'elle ait rangé l'emballage et qu'il n'y ait plus rien dedans. Mais c'était moi, donc je me doutais qu'il y avait du chocolat quand même. Il y a raison. Il y en avait. Mais pas encore! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Encore des enfants qui ont me demandé des trucs! Bon, t'es un peu con, toi. Parle pas la bouche pleine. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ça va? Une paix de la merde. Mais ça? Un Turbo Max. Est-ce que j'ai déjà pas une mode de beurre? J'en avais acheté mais je l'ai pas utilisé. Grosse quête.
Bah ouais. Grosse croquette. Waouh! Putain. Ça rapportait. Mais est-ce que quand on fait une recette, on peut voir comment on l'a fait? Mais quand on a une recette, on est la recette pour la faire. Pourquoi il faut du beurre dans une paella? Nos problèmes. Je prends les quêtes et je vais les faire. Encore une fois, on fait pas du tout ce qu'on avait prévu qu'on allait faire, mais bon. C'est aussi ça le petit plaisir de ce jeu, non? J'ai juste quand même fouillé un peu toutes les huttes, histoire que je prenne toutes les quêtes possibles. Encore depuis, vous avez pas grand-chose d'intéressant à dire, hein, si je peux me permettre. Si c'est pour Dodo. C'est pour Dodo ici. C'est le même qui court depuis tout à l'heure. Il pleut. Regarde-moi. Oui, j'ai compris. T'essaies de courir entre les gouttes. Les seuls animaux que j'arrive à choper, c'est des crabes. Le problème, c'est que j'ai des quêtes qui datent depuis le début du jeu. Mais je les ai pas rendues parce que, bah, je... Puisque... Oh, une pagaie! Une rame! Je les ai pas rendus parce que bah, je sais pas comment les faire. Est-ce que t'es qui toi? T'es amusé chez Kabara? Oh! Ça rapporte? C'est un jeu de chance? Ah oh, bah je vais faire jeu roulé à ma place en fait. Hein. Kabara? Et Kabara sera en haut là? Kabara? Mais non mais là c'est d'où je viens? Non, est-ce que... non j'ai pas été là. Kabara, petit jeu. Oh, faites vos jeux. Les rubis, t'aimes ça, hein? Peut-être que ça te dirait de gagner un petit peu plus. T'as l'air méfiant, faut pas. Hé, y a rien d'égal dans ma proposition. C'est juste ouvrir un de ces coffres à part avoir misé des rubis. Y a rien de tendu, tu vois bien. Faut juste que tu ouvres le coffre qui te tente le plus. Là, t'as qu'à empocher le blé que tu trouves dedans. Mais attention, y a un coffre qui vaut vraiment le coup. Alors, faudra pas te plaindre si tu trouves pas le bon. Ce serait rigolo si tu misais pas de rubis, c'est même ce qui fait tout le sel du jeu. Soit qui décide ce que tu veux miser. Évidemment, plus tu mises de rubis, plus il y en a la clé. L'aventure, ça coûte de l'argent. C'est question de te faire le plein, à mon avis. Alors, tente ta chance. Oui. Sans rubis. Sans rubis. Non, je peux pas rester sur ça. Je peux pas rester sur une perte de 99 rubis. Mais c'est toujours le même endroit, c'est pas possible. Oh non, mais non, mais non. Je me fais troll, c'est pas possible. Sans rubis. Mais je me fais troll. Est-ce que c'est toujours au même endroit? Est-ce qu'il suffit que je change pour que ça soit... Je suis sûr que c'est la solution, ça va être là-bas si je change. On parie tout ce que vous voulez que si je change d'endroit... si je change d'endroit, je vais me taper un rubis et là... Oh merde, j'ai misé 10. Oh quel con.
Je suis sûr que si je change d'endroit, le rubis va être l'endroit où je vais y aller. Hein. Quand même pas de chance. J'ai quand même gagné là-dessus. Mais c'est con, ça c'est con que j'ai gagné sur le coup. Sur le coup, j'ai misé que 10 quoi, sans faire exprès. Ça m'aurait un peu refait. Ce serait quand même con que ça change pas de place. Et je pense que j'ai juste eu une nonchalance absolue. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible la poisse que j'ai. Je veux pas partir tant que j'ai pas fait un. Tant que j'ai pas gagné une fois sur un 100. Hein. Mais bon. On est en train de perdre notre maison là. Hein. C'est chose qui arrive là. Si je retourne à droite, je vais encore me faire baiser. Vas-y, je vais aller à droite. À droite, maintenant ça va marcher. Je suis déjà à 400 rubis de perte. Mais je peux pas partir sans... Mais je vais aller ouvrir celui de gauche, hein. Visiblement c'est le bon. Mais c'est quand même fou la probabilité de ce qui arrive. La probabilité de ce qui est en train de se passer. Bah au moins c'est un peu une démonstration pour les jeunes. Ne misez pas de l'argent dans des jeux d'argent quoi. Ah ouais. Bon c'est bon, on a perdu tout, on a perdu 300. C'est réglé. Oh putain, ne jouez pas les jeux d'argent, putain. Heureusement qu'on a gagné le dernier quand même. Oh Kabara, ton jeu il est nul. Ouvrir le coffre sans... C'est pas d'essayer. Non. Oh mais la poisse. Bon, on n'a pas eu beaucoup de réussite, mais heureusement le dernier nous a un peu rattrapé. Je crois qu'on était au bout du village, on avait tout exploré. C'est quoi ça? On va pas les prendre en gros. Un village de pêcheurs après tout. Tanguis. Bah la vue là elle est pas folle là, avec la pluie. Hein. Bah, c'est Château d'Hyrule ça, j'ai même pas capté. Ok, mais il a pas été intéressant de ouf, quoi. On s'est remis bien en flèche, en vrai. Là, il m'a même pas chopé un poisson, là. Je vais pas récupérer ma flèche, mais on a au moins on a des dorades. Et de nouvelles recettes. Après, peut-être qu'on peut choper une écaille dans l'eau, du coup. On cherche une écaille depuis 115 ans. Je peux pas monter, là. J'ai même compte se noyer juste en bas des gens. Ah d'accord, j'ai pêché juste en dessous alors que oui. Oui d'accord, ils vendent. Logique. Flèche, en vrai flèche, dès que j'en ai je prends tout le temps. Parce que je suis toujours en manque. Yeah.
est cassé, mais j'ai ouvert. Tout ça pour une flèche, hein. Pas cher et savoureux, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce bateau? Rien. Juste monter dessus. Ok, on a quasiment fouillé tout le village. Je pense qu'on a pris toutes les quêtes. On n'en a eu qu'une de quêtes, j'ai l'impression. Alors, on en a eu deux. Il y en a une qu'on a réglée immédiatement. Beau, quand il fait beau ici, ce village, il est stylé quand même. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant qu'il est 10 plus, je cours entre les gouttes de pluie, hein? J'ai pas trop capté où c'était. Ok, moi je te suis en fait. Changement de programme, je te suis. J'aime pas trop partir avec un gosse que je connais pas, mais bon. Vous êtes qui, madame? Ça va? Savota, bah d'accord, Savota. Ah non, c'est pas Savota, c'est Flammy. Tout à fait, je suis en vacances. Les îles finalistes, c'est pas ce qu'on a été faire? C'est pas ce qu'on avait été faire les îles finalistes avec le sanctuaire. Le sanctuaire. Qu'est-ce que c'était comme sanctuaire? Bah, le truc où on nous enlevait toutes nos armes. On va refaire toute la zone avant même de trouver la tour de la zone. Oui, il est long ce trajet. Tu veux pas, tant que lui là, tu veux pas y aller? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Il voulait vraiment que je le tue? Bah oui, je te suis depuis tout à l'heure. Ben ça c'est ce qu'on voyait depuis oui on le voyait ça depuis la zone où on était avant qu'on se TP. Ben sympa ce gosse mais il court lentement quand même hein. On entend qu'il est soufflé au moins qu'il donne tout. Je suis machin à ce passage, hein, tu me permets. Ruine de la Palmeraie. Les ruines, c'est là. Il y a un petit sanctuaire à faire, il y a une petite boule encore à mettre, là. Par ici, mais je te suis, on y est. Ok, voilà les ruines. Bah, merci de m'avoir amené ici, j'aurais pu y aller tout seul, mais... Alors... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces ruines? Il y a deux boules à mettre. Ah, j'ai plus d'armes. Où est-ce qu'on va trouver ces deux boules? Oh, mais ils sont trop chiants, eux! Ah, ils bougent trop vite! Regarde-les! C'est un enfer! 15 ans pour les tuer, pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils bougent tout le temps! Les pires ennemis. Je pense pas que c'est là-dedans qu'on trouvera des boules, mais on peut quand même taper. Oh non, on a vraiment pas de truc pour taper les caisses là maintenant. Peut-être la massue à pointe qu'on vient de choper. Pas vraiment. Oh putain, à ce point-là. Après, c'est une massue à pointe, on s'en branle de l'acheter. Ah ouais, mais chaud. Je regrette vraiment de ouf d'avoir un peu trop mon truc qui me permettait de péter tout tellement facilement. Ça cassera pas comme ça.
Deux en un. Ah non, on l'a juste tapé. Il n'y avait rien dedans, d'accord. Est-ce qu'on va faire du deux en un là-dessus? Putain, mais il n'y a rien dans ces caisses. Du coup, celle-là, je n'arriverai même pas à l'ouvrir. Bah yes. Ok, pratique. Bon, c'est pas là qu'on trouve les boules en tout cas. On a des boules à mettre, mais on sait pas où les trouver. J'ai même pas loot ce qu'il y avait sur lui. Ouais, je pense que les îles dont elle parle, c'est les îles qui sont là-bas. Hop. Chope des crabes, pas très... Je vais aller voir directement là, peut-être qu'il va y avoir un petit message et qu'il écrit pour les avoir, il faut faire ça. Ah oui, en fait, il y a déjà des gens ici, putain, j'ai même pas capté. Bon, du coup, ils vont forcément m'indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, une quête. Attends, celui-ci, il me donne une quête. Il me donnait la quête du lieu, je pense, tout simplement. J'étais perdu dans mes pensées. Tu voulais quelque chose? Tu fais quoi? On étudie les ruines. On se sent baigné par une sorte de flux spirituel ici, tu trouves pas? Pas trop, mais d'accord. Bien souvent, je me suis récemment rendu compte qu'il y a une inscription sur ce monument. Il y a eu un tremblement de terre qui l'a cassé. Il faut que je fasse une reproduction pour lui. Oh, faut venir la nuit. Faut venir la nuit pour réparer le sanctuaire. Mais du coup, c'est quoi le délire avec... Oh non, en fait, il n'y a même pas de boule, je suis un peu un con. Y a pas un petit feu pour faire dodo? C'est chiant, des fois ils mettent des trucs en mode ouais, faut venir la nuit, mais ils mettent pas de trucs pour dormir à côté. Et bon, quand c'est 14h40, pas un endroit où dodo là? C'est chiant de devoir retourner au village si je veux dormir quoi et de revenir là. Bon, je vais explorer la petite crique pendant ce temps déjà. Ah vraiment, je pense que ma plus grosse erreur de let's play, c'est que j'avais trouvé l'arme cheatée qui me permettait de tout casser. Et bah je l'ai laissé s'en aller. Et coffre dans l'eau. Dans le village d'ailleurs, j'ai pas vu de shop et tout, de boutique. J'avais peut-être 2-3 maisons que j'avais pas faites, mais j'ai pas vu de shop de. Un truc qui me permettait d'acheter des armes. Si, armes y avait, c'était le bateau. Mais par exemple, des tenues, de la nourriture. Ah si, nourriture, c'était le bateau aussi. Juste tenue, j'ai dû louper le truc de tenue. Apparemment, je serais pas contre une tenue qui booste la vitesse quand même. Moi je pense que les îles finalistes c'est les trucs qui sont là-bas, hein. C'est le truc que j'ai fait la dernière fois. En vrai je vais le taper à l'arc sinon il me casse trop les couilles. Si j'arrive à le toucher. Au moins à l'arc je stunt et je peux le taper derrière. Par contre je sais pas où j'ai jeté mon boomerang. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici? Là-bas, c'est sûr qu'il y a au moins une Nokorogu, un délire comme ça. Obligé. Ils essaient de... Dans les coins de map, ils essaient de nous inciter à y aller. Donc, ils ont tout intérêt à mettre quelque chose. Par contre, ça va être très... S'il y a un mauvais signe à avoir, ça va être... Oh merde, j'ai une épée. Boomerang. Oh, j'ai réussi à l'attraper cette fois. Très longtemps qu'on n'a pas eu une lune de sang. Si je peux me permettre, je sens que la prochaine nuit ça va être lune de sang. C'est long quand même le chemin vers là-bas.
J'espère qu'il y a... Non, mais il y a forcément quelque chose au bout. Ça peut pas en être autrement. Est-ce que je vois la nuit se lever? Non, vraiment, oh, les doubles arc-en-ciel, j'ai encore jamais vu ça dans le jeu. Badass, le double arc-en-ciel. Attends, peut-être prendre une épée, justement, maintenant, pour pas gâcher le... Une épée pourrie, là. Oui. Mais maintenant, j'ai de l'armure, je prends beaucoup moins de dégâts. J'ai pris un dégât ridicule. Surtout contre des ennemis qui se battent avec des rames. Oh oui, non mais je prends un quart de dégâts. C'est tellement facile maintenant. Bah, contre les petits ennemis du moins. Et du coup avant je devais tellement galérer contre les gros. Du coup ce qui a l'air d'être le plus puissant c'est le boomerang. Un peu le seul truc qui casse des caisses. Ah oui, non mais ça one shot les caisses. Vraiment j'arrive à capter quelles sont un peu les armes lourdes qui cassent des trucs. Évidemment le boomerang est assez fort pour ça. Faut toujours que j'en ai au moins deux quoi pour au cas où il y en a une qui se casse, avoir une deuxième. Par contre, est-ce que ça va marcher sur du métal? Ah mais oui, mais c'est giga puissant en fait. Ok, boomerang en fait, très bonne arme. Par contre, s'il n'y a pas un truc tout au bout, je pète un câble. On aurait pu arriver là en tout début de session si on avait pris le bateau directement au lieu de... Au lieu de se TP, de faire des tours. Moi j'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous trouvez le rythme trop lent, mais moi j'aime vraiment beaucoup prendre mon temps et me balader, découvrir les zones. Ça doit être un peu frustrant si vous avez déjà fait le jeu de se dire « Ah il passe juste à côté de ça !» Et moi je trouve que... Découvrir un peu des zones aléatoirement, mais presque. Par contre il y a vraiment rien au bout. Une petite cour au goût au moins. Oui, non mais oui, d'accord, obligé. Obligé, on en arrive tout au bout, c'est pas pour rien. Oh non, désolé. Désolé. Je m'excuse. Par contre, là, pour retraverser, ça va juste être chiant. Est-ce qu'on ira pas plus vite de se TP au village et de remarcher? Parce que là, c'est super long de faire le tour. Mine de rien. Quoi qu'on n'a pas, exploré là-bas. Vitesse. On n'a pas une potion de vitesse? La recette. Lézard tempo plus corne. On retient, on la voit. Là, vas-y, c'est trop chiant. On a de quoi en faire un nombre de potions. Encore une fois, j'ai pas le temps. Faudrait que je fasse ça en live, mais... En plus, si je veux brancher la Switch, faut que je passe au bureau à chaque fois, que je rebranche. Et rajoute à la chienlit du move. Après, tu me diras, je pourrais faire ça en mode tablette aussi. C'est vrai. Sympa ce petit buff de vitesse. J'ai troll, mais ça va vraiment être la lune rouge en fait. La lune de sang, la lune rouge. Que je dois avoir un nombre d'ailes de chauve-souris et compagnie vu que j'ai jamais fait de potion. Je sais pas si c'est parce que je suis au bord de mer ou si c'est parce que c'est la lune de sang, mais c'est très orangé quand même. Hein. Et il faudrait que j'aille tuer les ennemis avant que ça soit cette fameuse lune. Prendre une vraie arme. Qui sont nuls. Oh, l'esquive au bon timing sans faire exprès. Hein. J'ai juste balancé une esquive comme ça. Il est mort, hein. J'ai pas besoin de taper plus. Ça pour une pomme. Sans rubis, ça compense un peu ce que je me suis fait en tube au village. Après, qu'est-ce qu'on prend là-dedans? Déjà, tout ce qui est griffes et tout, on peut se permettre. Et des dracos massus beaucoup en boucle. Lui, il avait un arc, mais il doit être full en arc. Ouais.
Est-ce que j'ai un truc pour remplacer ma... pour mettre une massue? Bon, peut-être le truc qui est presque pété, hein. Pour avoir une autre arme, une arme plutôt morte. Au moins. C'est qu'on a oublié de taper ça sur l'allée, donc on a bien fait de repasser quand même à pied par là. Là, par contre, j'ai déjà plus mon buff de vitesse. Oh, c'est quoi? Ah, c'est ce qu'elle nous demandait pour faire la recette de la paella. Bah, on va essayer de le prendre. Du coup, c'est la nuit, il faut qu'on se dépêche. L'ITE, faut qu'on se dépêche tant que c'est la nuit d'aller faire la quête. Vu qu'on veut pas la faire de jour. Ah, c'est vraiment la lune de sang en plus. Oui, c'était le cas. Et ouais, à chaque fois je me bats pas pendant la lune de sang, du coup j'ai du mal à capter l'influence de la lune de sang. Plus d'ennemis, ils respawnent, ils sont plus forts, j'ai pas tout compris. En plus, il l'indique super tard, genre il l'indique à minuit, la nuit elle est bien entamée. La lune de sang, elle va me faire. J'ai plus d'endurance, je suis con. J'arrête de me battre avec avec cette quoi ça d'ailleurs. Elle est là la pièce en fait. Ça qu'elle brillait dans la nuit. Comment je la prends? C'est la pièce, je sais qu'elle est là, je la vois. Laissez-moi la prendre. Comment je la prends? Je l'ai repéré. Comment je la prends? Alors là, ça va être une bonne question. La lune de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Alors, parce que faut que je me dépêche tant que c'est la nuit en plus. Hein. Avec mes pouvoirs, mais mes pouvoirs, je suis censé. Ah, je sais pas comment sortir cette merde. Pourtant, je sais que c'est ça. J'ai compris que c'était ça. Et comment sortir cette putain de pièce? Je l'ai vu la pièce. Mais je sais pas comment. Ah, ça se trouve, il faut avoir. Avoir un cinétis amélioré ou je sais pas quoi. Moi j'ai le problème c'est que j'ai pas ça amélioré. Ça se trouve ça avec ça amélioré tu peux. Je sais même pas. Parce que là bah j'ai compris que c'était la pièce qui servait mais. Dans des pompes. Du coup t'es chaud si à 20h20 on genre totalement rien à voir, on essaie de lancer. On essaie de lancer un coup de switch. Pour voir si ça l'a pareil ou si c'était hier un peu pas de chance. Et je les vois tes pièces gros mais. Oui. Quoi? Attends, quoi? Attends, oui, j'ai trouvé une de ces pièces. Je comprends pas. Oh, il veut que je fasse une reconstitution. Mais où? En fait, j'ai du mal à comprendre cette quête. Il veut que je fasse une reconstitution. Mais où? Est-ce que ça m'a validé le morceau qu'il y avait là-bas? Ça m'a considéré que je l'ai pris? Un morceau doit être dans les parages. Bah ouais, il est là. Peut-être que je prenne la photo. Pratique un appareil photo quand même en 2021. Et Julien, tu feras gaffe, hein, puisque là on a... Là on est... Disons qu'on va plus trop avoir de subs perdus les quelques... Les 10 jours qui viennent, parce qu'en début octobre c'était vraiment un mois catastrophique pour moi. Et du coup, là, si jamais il y a des enchaînements de subgift, il y a moyen qu'on se retrouve à faire le semi-marathon.
Oui, regarde. Yes, il montre la photo. On peut quand même les repérer le jour, mais moins. Mais le problème, c'est que c'est très éclairé cette nuit quand même. La plage d'à côté. Par contre, j'espère qu'il n'est pas sur la plage en face. Oh, ça serait l'enfer. Je dois y retourner. Parce qu'il n'y a pas vraiment de TP, quoi. C'est obligé, il y en a sur la plage en face. Obligé. Mais juste, j'avais pas repéré que les pierres elles ressemblent à ça. Oh non. L'enfer sur terre. De toute façon, je pense, en vrai, bah, c'était pas vraiment mon objectif de le mettre à un horizon lointain, mais disons que là, bah, au moment où j'ai eu l'idée, c'était l'hiver, et bah, du coup, bah, je t'avoue que l'hiver, y a pas trop de semis organisés et tout. L'idée, bah, moi, l'idée, c'est que j'aimerais bien faire un vrai truc pour, t'sais, pour avoir un temps et tout. Pas une preuve, mais avoir quelque chose, quoi. Genre un vrai truc, un vrai semis organisé quelque part. Bah, je sais pas où retrouver les autres trucs. Mais je suis sûr que j'en ai loupé en face. C'est obligé. Est-ce qu'on traverse ce lac avec les blocs? Là-bas, c'est pas une plage. Ça a pas pu glisser là-bas. Mais faudrait que je me dépêche tant que c'est la nuit. Ok, j'aime trop me balader dans ce jeu. Je vais où, moi? Ouais, tu peux pas utiliser mon pouvoir si je suis pas sur Terre. Ça peut être long. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rapide. Et toi, t'as des idées, Julien? J'aimerais, en fait, j'aimerais refaire un live cuisine. Il vient de caler 10 pompes d'un coup. Ah oui, c'était il y a 4 minutes déjà les pompes. J'aimerais refaire un live cuisine, mais bah, j'aurais bien aimé en faire un avec toi. Mais le problème, c'est que t'es loin. Du coup, bah peut-être ça attendra plus tard. Tu nous feras ton spécial tiramisu et on fera tiramisu flanco. On fera nos spécialités. Et j'aimerais bien faire un autre live cuisine d'ici là, mais je sais pas sur quoi. Ah, il me faudrait un thème, genre pas juste un live cuisine lambda. Putain, cette quête de l'enfer, il manque des bouts, mais. Je suis sûr qu'en fait, il manquait des bouts dans cette allée-là. Hein. C'est obligé. Il a dit la plage d'en face, c'est celle-là, la plage d'en face. Vraiment, je propose le gameplay chien-lit. Un thème, bah, je sais pas, c'était rigolo d'avoir la première fois d'avoir cuisiné un peu sur le thème cuisine des îles, tu vois, c'est pas trop un truc qu'on est habitué. C'est un peu plus rigolo de découvrir des trucs et de cuisiner des trucs dont t'as pas forcément l'habitude, je pense. Après, quand on le fera les temps, on pourra faire un pas forcément de thème, mais juste montrer, je sais pas, nos spécialités. Vu que toi, t'es un expert, on parle tout le temps de ton tiramisu, là. Par contre, Laura, elle est rentrée, elle m'a même pas dit bonjour. Bah, même si je l'ai vu ce midi, hein, mais... Qu'un super temps pour repérer les... sauvegarder, tiens, au moins on les aura. J'ai à faire d'autres choses pour toi. Non mais je sais. Non mais moi j'aimerais bien un thème pour si j'en fais un avant. Le problème c'est que en fait ce qui est un peu chiant c'est que tout seul je peux pas vraiment vu que Laura elle est pas fan de. Tu fais de passer à la caméra. Alors là je cuisine tout seul, c'est quand même une déterre. Surtout vu mon niveau de jeu. en fait j'ai dû louper une pierre qui était là. Hein. Mais où? Du coup ça se tape pour la troisième fois cet aller-retour. Il m'a dit la plage d'en face. Donc c'est dire que ça serait plus de ce côté-là. Le problème, c'est qu'on a le pire temps. Et quoi tes autres spécialités? Ouais, la cuisine asiatique, les gens, ils ont l'air d'y connaître un peu. Genre, je sais pas, ça pourrait être... Par exemple, je dis une connerie, mais... Mais avec Xing, il y a un délire en mode le Pérou.
Du coup, je pense pourquoi pas faire un live cuisine en mode bah, spécialité d'Amérique du Sud, je sais pas, tu peux facilement trouver un truc et tenter totalement au pif de cuisiner de cuisiner des recettes du pays en question. Mais par contre, vraiment, je trouve pas ces trucs, il m'en manque combien? C'est un enfer. Cette quête est horrible. Ou alors je ne comprends pas cette quête, mais... Je longe la plage, il me dit que c'est sur la plage. Oh tiens. Que voilà, ouais, la cuisine asiatique, j'ai l'impression que beaucoup s'y connaissent. Après, l'asiatique, il y a beaucoup de cuisines différentes, hein, je pense. Je pense que tout le monde connaît un peu les bases de la cuisine japonaise et compagnie, mais... Et encore? Ah, ça peut être une idée, hein. On lance GeoGuessr. Enfin, Anton Daniel, on lance GeoGuessr et on doit faire la cuisine de ce pays-là. Et on se donne le droit de retirer si c'est un peu trop simple, trop évident. Ça peut être une idée. Putain, mais je trouve pas! Elles sont où les pierres de ce pays? Les pierres de ce pays? La cuisine bolivienne, non mais je sais pas, après si on fait des recherches et si on voit que c'est pas... Il faudrait déjà avoir une date puisque là on est dans... ça serait dans un horizon assez lointain. Je sais pas... Alors après ça va, la Turkménistan ça tombe pas trop souvent sur GeoGuessr. Mais putain mais je trouve pas, ça me trigger, je ne comprends pas la quête. Parce que celle-là on l'a repérée. Là, on l'a repéré, mais on l'a déjà pris en photo, quoi. Il m'a dit quoi exactement? Pour être sur la plage d'en face, ça va quand même pas être sur l'île d'en face. Ça paraît tellement loin. On va voir flou. C'est vrai que ça serait original. J'allais leur parler, puisque vraiment, je capte pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Tiens, au lieu de retour. Oh là, je suis sur cette quête depuis tout à l'heure que je ne comprends pas. Tu roulais jusqu'à la plage d'à côté. C'est quoi la plage d'à côté? En face, j'ai été voir, il y a R, frère. Il n'y a rien sur la plage d'en face. Mais ouais, c'est un concept. Et un jour, putain, le en cuisine avec Rolio. Le en cuisine avec Rolio, j'espère qu'on va tomber sur la France, hein, parce que putain, sinon ça va être compliqué. C'est un enfer. S'il pleut, je peux pas grimper. Quoi? Non, mais avec Julien, on disait qu'on devait. Je disais que j'avais envie de organiser un live cuisine parce que c'était rigolo. Et du coup, on disait, on cherchait un petit concept puisqu'on se dit, bah, si on cuisine un peu des trucs basiques, c'est pas très intéressant. Et du coup, je disais, on va prendre un pays. On va prendre un pays au hasard sur GeoGuessr, genre à l'Antoine Daniel, comme il a dit, je vais streamer dans un pays, prendre un pays au hasard et on va devoir faire la cuisine de ce pays-là. Il a dit, mais toi, si je fais une émission de cuisine avec Croyo, ça va être un enfer. Je n'arrive pas à grimper ici. Ce qui pleut, certes, mais bon, on nique la pluie. Façon que sans saut, je peux pas monter avec la pluie. Je suis bloqué, je suis là depuis tout à l'heure. Je suis là depuis 30 minutes. Rolio, s'il est parti, il a rien loupé en fait. Ah si, Rolio, t'as loupé quand même un gros truc. Ouais, en fait, si je saute pas, je me casse la gueule. Rolio, t'as loupé un gros truc quand même. Hein. Oh bah, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Let's go, on est monté ici. T'as loupé le. J'ai joué au jeu d'argent. Et au début, je pensais que c'était scripté. Mais j'ai juste eu la poisse, parce que j'ai misé 4 fois d'affilée 100, et 4 fois d'affilée, j'ai eu une pièce. J'ai eu un rubis. Très heureux. Très 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 heureux. Par contre, ça me rend fou cette quête, vraiment, elle me rend fou. Je suis désolé, je suis là depuis tout à l'heure, on va peut-être partir ailleurs au bout d'un moment, parce que c'est chiant. Elle me rend fou.
La plage d'à côté, c'est quoi la plage d'à côté? J'étais en face, il y avait air. Mais une Nokorogu. Mais je pense qu'on va se barrer, on va pas. C'est le gosse qui nous a amené là, ça pouvait être que être un gros trap. Y a pas les pierres là adaptées. Non, c'en est pas une. La plage d'à côté, ce qui aurait voulu dire la plage d'en face, mais en face on a été voir, y avait rien. On a refait un tour, on a cherché. Y'avait rien en face. Je sais pas où elles sont ces trucs. Là, on a déjà été, on est parti de là, on a même fait tout à la glace là-bas. Oublions cette quête, on se retépé ici, on va dans le village, on va faire autre chose, puisque cette quête nous casse les couilles, vraiment. Cette quête nous les brise. On va plutôt aller faire la quête où il faut qu'on aille taper les gens, moi ils vont nous indiquer l'endroit, tout sera clair, tout sera précis. Là, je ne sais pas où se trouvent les autres morceaux de pierre. Certes, ça se voit mieux la nuit, mais on a regardé. L'autre l'a repéré même de jour en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on a pas regardé dans le village? On n'a pas regardé cet endroit là à droite. Et puis après, on va voir s'il n'y a pas de quête ou quoi. On va aller se taper. On va aller se taper à l'endroit où il nous a dit d'aller se taper. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un shop d'armes ou non? Toujours pas? Il y a rien en fait, c'est juste une baraque. Ah, il a une quête pour nous quand même. Bienvenue au village d'Ekara et je m'appelle Biscus. Je suis le chef de ce village. Si tu veux des informations sur la région, oh, parle-moi du village, vas-y. Village de pêcheurs, j'étais l'un d'eux quand j'étais plus jeune, mais par le temps qu'il fait inutile de songer à prendre la mer. Le pêcheur passe le temps avec des jeux d'argent. Non, mais je suis au courant du jeu d'argent, oui, Kabara, c'est un connard. Hein. Parle-moi de l'île, vas-y. L'île finaliste, on l'a fait. Parle-moi des ruines. Vas-y, les ruines, ça m'intéresse, puisque c'est ce que j'arrive pas à faire. Des vieilles ruines. Argos, un jeune du village, va souvent les explorer. Argos se rend souvent aux ruines, même quand il pleut. Ça t'intéresse, tu peux aller les voir toi aussi. J'étais les voir, ça m'avance en rien. Bizarre Biscus quand même. Marre de la pluie. C'est vrai qu'il fait que pleuvoir. Je sais pas si c'est lié au village. Jouer. Mais ils sont vraiment accro à l'argent ici. Hein. Bah, accro au jeu d'argent justement. Bon, je prends le risque. Hein. Bah, ouais, autant prendre le risque. J'ai une chance sur 3 de gagner 1000. T'auras pas le résultat avant demain. T'inquiète, vu comme je suis lent. Hop, je suis en train de me rembourser d'ailleurs. 5 rubis, la richesse. Et on va aller taper l'endroit où il voulait. Oh, un marteau! Sentiment des armes est plein. Space Shooter vous invite à jouer à Dota 2. Ah bah, il lui ce clip. Space, tu fous quoi? Je joue pas à Dota! J'aime pas les MOBA! Voilà, vous pouvez couper et lui envoyer le clip si vous voulez. Du coup, on va activer la quête. La quête pour. On va aller se taper. Alors, album. Oui, j'ai le fragment de monument, mais je vois pas à quoi ça me sert. Pour le moment. La quête. Ben, c'est pas là en fait. Journal. Travaux de restauration. On trouve pas. Quête secondaire. Ça on s'en fout. Village des Carrés.
ça. On a tellement de quêtes secondaires. Oh. Du coup, la plage est... Oh, la plage, elle c'est loin quand même. Hein. On va y aller à pied, puisqu'on kiffe y aller à pied et qu'on aime bien être très loin. Du coup, au lieu sur ta deuxième run où t'as fait no escalade, t'as quand même, tu t'es quand même laissé le droit de prendre des chevaux. C'était vraiment la chirlie jusqu'au bout. Mais comment t'as fait une run 100% escalade, par exemple? Comment tu faisais pour... T'as fait aucune tour? Du coup, t'as dû faire aucune tour, en fait. Oh, un panneau. Je guette là, hein, c'est au cas où il y a le truc de la ruine qui a atterri jusqu'ici, mais bon. Ah, oh. Entre des monstres, nous n'aurons que la nuit. Trop bien, il y a une entre des monstres ici. Trop bien. On se dépêche pour revenir la nuit. Revenir quand la nuit sera finie. Au moins ici c'est du farm de crabes. Hein. On va se faire griller tous ces crabes. Et on va se régaler. Par contre j'aimerais bien avoir un set de vêtements qui m'améliore la vitesse. Hein. Possible de se mettre des sets prédéfinis, comme ça ça évite de changer les trois trucs à chaque fois. Elle est loin cette plage avec des monstres là. Moi, ça nous permet d'explorer la zone. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme arme? On a un marteau maintenant pour taper les trucs, ça peut être pratique. On va utiliser notre épée un peu pourrie, vu que c'est des monstres un peu pourraves. Attention, parce qu'ils ont quand même des armes... Quelle bande de casse-couilles ceux-là qui te font perdre leurs tes armes là. Qu'est-ce qu'on se fait à bouffer? On prend plein de petits trucs. Bon, au moins, il est débarrassé. Mais au moins, il a frisé les autres aussi. Quoi? Il y avait encore de l'électricité? Sort d'où l'électricité qu'il y avait? Massif un poids de bocaux, on s'en branle un petit peu. Bouclier de chevalier, ça peut être cool. De toute façon, c'est celui que j'avais perdu. Wow! Oh, le style de ce coffre! 100 rubis, bah let's go, c'est exactement ce que j'ai donné à l'autre. Qu'est-ce qu'on vire? Bon, du coup, on va virer l'épée. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de... Si je prends en photo les armes que j'ai pas encore. C'est que j'ai déjà l'arme si... Ça rentre dans l'encyclopédie. Au moins, ça me fait compléter l'encyclopédie. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Ah, j'avais déjà... on va prendre le boomerang puisqu'on sait que c'est adapté au fait de casser des trucs. Est-ce qu'on peut faire une multi-entrée? Genre si on prend en photo tout ça, est-ce que ça me prend en photo de tout? C'est chiant de devoir tout entrer dans l'encyclopédie. Des pommes. J'ai pas des pommes dans l'encyclopédie? Notre coco, j'avais pas notre coco. Oh, le principe trop chiant. Non, c'est bon, c'est bon.
On est même pas encore arrivé, ça va déjà être la nuit, je vais encore louper l'entre des monstres. Au pire, quand on reviendra au village, on pourra dodo. Donc au pire, on s'en fout de quand est-ce qu'on vient. Et au moins, le fait qu'on dorme, ça va nous permettre de reparler à l'autre et de voir si on a gagné ou pas notre argent. Mais tu vends ici. Tu prends en photo cela? Non, putain. J'ai plus de place dans mon album. Arrête de fuir avec ton arme distance là! Oh, il me l'a lancé! C'est le cancer des monstres de ce jeu! Cancer des monstres! Je faisais ça avec 2 PV moi! Ok, bah ça doit être là-bas les ennemis qui l'ont fait chier. Ça a l'air d'être une belle grosse zone. On va se redonner à bouffer peut-être. Paella. Viande grillée divine. Hop, on est full. Encore un. Attends, j'ouvre l'album et je m'enlève des images. Sélectionner. Effacer. En fait, il faudrait que j'efface immédiatement. Mais quand j'efface, ça reste dans l'encyclopédie, je pense. Je sais pas. Je sais même pas. On rappelle ça. Une belle photo. Voir. Ah, je l'avais déjà celui-là. Non, je vais me battre. Oh, l'esquive au bon timing. Ah bah, celui-là est vraiment pourri, quoi. Ah bah, du coup, on a une épée. On a volé son épée, du coup. La chatte. Notre massue s'est cassée pile au moment où on a récupéré son épée. Bon, tout ça pour venir ici et libérer la zone. C'est même pas là. C'est même pas là. Si, ça doit être là, hein. Mais dans tout ça, on voit toujours pas la tour de la zone. Et c'est fou quand même. Comment savoir bien explorer la zone? On a toujours même pas aperçu la tour. Peut-être qu'on l'a aperçu avant qu'on cherche, mais depuis qu'on la cherche, on l'a pas vue. C'était un point d'interrogation, mais c'est des rames encore. Harpon de pêcheur. Oh. Photo. M'intéresse pas spécialement de le prendre, mais photo. On s'est remis bien par contre en tout ce qui est bouffe et tout là, dans la... depuis qu'on est là. Farm les crabes et compagnie. Bah go, on va aller se taper contre tout ça. J'ai dû mettre un bloc de glace au milieu pour un peu safe la nage. Mais en fait, en dessous, je suis mal. Comment je vais monter, moi? Pour monter, c'est là-bas. Les autres endroits, ça va être chiant de tous les buter. Il faut qu'on s'en foute un là en fait. Comme ça, on pourra monter à cet endroit là quand on veut. On va s'en foutre un sur la route là-bas. Oh, ils m'ont repéré, mais on s'en fout. On veut juste tous les taper.
Donc, je pense qu'on pouvait difficilement être discret dans toute cette zone. On enlève le boomerang qu'on avait pris et on prend une épée. Oula. Ils sont surtout nombreux, je pense pas qu'ils vont être très forts, mais ils sont surtout très nombreux. Lui là-bas, il est tellement isolé qu'on va être, on va le tuer. Aïe, on va le tuer à la flèche. Lui aussi, tous ceux qui sont isolés. Oh, il sort d'où lui? J'ai beaucoup tapé contre rien du tout, mais... de toute façon, en face, faut que j'y monte. Hein. Viscère, ça nous sert à améliorer les armes, le truc viscère, là, donc il nous le faut. Mais arrêtez de souffler toutes les deux secondes, vous m'avez même pas perdu entre temps. Ils sont contents de me retrouver, ils m'ont pas perdu. Il croit qu'il reste plus que... Ah, il y en a là-bas quand même. Mais arrête de taper. Il est mort, j'espère. Ouais. Est-ce qu'il y en a plus haut, forcément? Oui. Waouh! Oh, il m'a déglingué! Qu'est-ce qu'on graille? Oh non, les petits trucs genre crabrier et compagnie. Tellement agréable quand on a ces trucs. Et en plus, on a de quoi refaire un paquet de petits, des petits crabriers. Par contre, il m'a envoyé voler le gars! Le gars, le monstre. Attaque discrète. Et ça l'a tué. Pas le dernier. J'ai pas d'armes. Ça sert à rien de faire une attaque discrète sans armes. Faut y aller que ça. Non, il tombe sans mourir! Il est mort. Du coup, est-ce que ça valide ma quête? Je les ai tous tués? On peut pas l'ouvrir. Il reste encore un ennemi. Mais où? Oh non, où est l'ennemi restant? Oh, c'est trop chiant si je dois chercher l'ennemi. Where is the last? Oh non, trop chiant. Ah, il est là-bas. Oh. C'est bon, c'était le dernier. Pas de panique. Objectif mise à jour. Oh merde, il y a un autre truc à faire. Bon, déjà, on va aller prendre le coffre. Je suis content d'avoir visé cet objectif puisque imagine il me demande la quête genre après que j'ai été trouver cette zone. J'aurais pu arriver de là. Pff, tout ça pour une hallebarde de chevalier, je t'avoue. Ok, objectif mise à jour. Bah du coup qu'est-ce que ça va me dire sur l'objectif? Faut juste que j'aille leur parler, je pense. Elle a apporté la bonne nouvelle. Très bien. Tellement grande la zone en fait. Faut vite que je rentre, il y a l'entre des monstres. Donc j'allais dire, je vais peut-être aller explorer, monter pour voir où il y a la tour. Non, non, il faut que j'aille à l'entre des monstres avant qu'il fasse nuit. Je me mets entre des monstres avant même de rendre la quête. Et du coup, faut que je prenne une photo de lui.
Il y avait une quête un peu chelou avec l'entre des monstres. Ah ouais, il est là-bas, il vient d'apparaître. Une photo de lui de loin. Trop bien. Il avait dû me dire ce village. Il m'avait dit un village et un autre endroit. J'ai pas retenu pour être honnête. Voilà, il est très proche d'un village. Hein. Vraiment, il m'a pas rendu la tâche compliquée. Tu crois que je prenne une photo de lui, la quête sera validée. Ça va être bon ou pas? Il me semble bon, il n'y a plus le point d'exclamation. Ah ben là, il n'y a pas sa tête en fait. Strum. C'est l'endroit où on peut l'utiliser. Ouais, c'est qu'on voit pas sa tête, j'ai pris que son dos. Donc tu cours le vaste monde en quête d'aventure. De mon côté, j'essaie de la requête d'objets de monstres. Pense à me revenir de voir de temps en temps. Oui. Faire un échange. Mais je sais pas ce que je peux convertir en Strum. Ça, j'en ai beaucoup des crocs. On échanger 25 pour voir ce que ça peut donner. Merde, j'ai fait tout mon stock. Non. Mais d'avis. Ah, mais j'en veux 25. Oui, mais qu'est-ce que je peux t'acheter du coup? Utiliser mes strums. Ok. Le maillet ressort. Si un monstre barre la route, boum, ton nouvel ennemi l'enverra voler au loin sans que tu aies besoin de combattre. Ah. Alors, extrait de monstre. Utilisé comme ingrédient, ces produits ici des recherches de Kitten donne un goût étrange de préparation. On dit qu'il sert à cuisiner toutes sortes de plats de monstres. Mais je vois pas l'intérêt du coup. Balai brosse. C'est chier sur le balai brosse là. Ah, ça permet de passer comme l'un des leurs. C'est rigolo. J'aurais bien aimé prendre le maillet. Je vais prendre le masque, au moins ça me permettra d'être discretos par moment. Du coup, autre chose, j'ai pas forcément l'argent quoi. Si je peux pas vendre d'autres choses que j'ai en beaucoup, c'est ça que j'ai 84. Hein. Il fait 34 de ça. Pas beaucoup, mais. Je vais réchanger encore un peu de ça. On arrive aux 200. ...220, 230. Est-ce que j'ai un truc que j'ai beaucoup? ...41, 36, mais c'est... Je sais pas encore trop à quoi ça sert, donc je vais les garder. J'utilise mes strums, c'est long. Hein. Et là, il va me dire, je me barre, c'est le jour. Et du coup, j'achète le maillet ressort, qui a l'air très drôle. Ah, il fait de la place. Il me laisse le temps de faire de la place. Je fais de la place. D'ailleurs, maintenant, je peux prendre en photo. Au moins, je suis sûr que je l'ai de face maintenant. Je pourrais aller rendre la quête là-bas aussi, c'est pratique. C'est bon, j'ai de la place.
J'ai peut-être juste utilisé un extrait. Je vais prendre un extrait de montre pour voir ce que ça veut. Je le mettrai dans un plat et puis. Au moins, on l'aura. Mais la dernière fois, je l'avais parlé, mais j'avais rien fait avec lui. Ok, bon, on a vu le Brockhilton. Il y a un feu là-bas, on pouvait dormir à côté pour attendre la nuit pour repérer les trucs. On retourne au village, on va rendre la quête, et puis on sera pas mal. Ça avance, ça avance. Bien qu'il y ait, je vais pas m'empêcher de le soulever en fait. Oh le maillet, j'ai trop envie de le tester sur un ennemi. Au moins on a un marteau pour taper les trucs. Bon même si ça sert à rien parce qu'il y avait rien dedans. Il est où celui à qui je dois rendre la quête? Ici? Ah oh, vas-y, c'est bon, j'arrive à te rendre la quête. Il faut faire le jour et des trucs qu'il faut faire la nuit. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a un petit endroit avec des torches là. Ici on peut prendre de la vie et tout, mais j'ai pas assez, j'ai que 3. Si j'avais réussi à se faire le sanctuaire là bas j'aurais pu faire le 4ème, mais j'en ai que 3. Mais il est où l'endroit pour Dodo? Il est là. Oui. Lit normal. Je vais me réveiller pas avant midi. Et on avance, on a plutôt clear la zone là. On est arrivé là. On a fait les trucs alors qu'on n'avait pas prévu qu'il allait avoir un village ici. Hein. Et là, est-ce qu'il va me laisser le droit de lui parler cette fois? Même pas le déranger dans la nuit pour dire que t'as validé la quête qu'il t'a demandé de faire, quoi. Merde, du coup, il est là. Tiens! Sans rubis. Et de fou, j'aille parler à l'autre qui m'a fait. Qui m'a fait un bête avec mon argent, là. C'est toi? C'est toi? L'étant amoureux du Mont Frisette. Quand on peut plus y trouver l'amour. Mais je l'ai fait celui-là, non? Mont Frisette. C'est pas là-bas l'étang amoureux du Mont Frisette? Ah non, ça doit être dans la zone. Il doit y avoir un autre étang amoureux. C'est lequel à qui j'ai donné mon argent? Il m'a dit qu'il aurait le résultat le lendemain. Moi, j'ai besoin de savoir s'il a gagné ou pas. Je veux mon argent. J'ai tellement perdu que... Bah. Oh merde, c'est un gentil, c'est un chien. Vous dites pas Laura que j'essaie de taper un chien. Hein. Pas fait exprès. Il est où celui qui avait mon argent? Est-ce que c'est dans les quêtes déjà? Je pense pas. Je sais, je vais pas au bon endroit pour les quêtes. Journal, mission. Il faut le village. Putain, le village des limites, on a rien fait. Alors, en fait, c'est les trucs des sauterelles, c'est le truc où il demande 50 000 armes, donc on n'a pas fait grand chose. On a 3 à la grande forêt. Ah, faut que je chope une truite qui rend plus résistant au choc électrique. Rumi, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un rumi. Bon, où est-ce que je peux trouver le gars qui m'a emprunté de l'argent? C'est pas toi, hein. Toi, c'est celui que je viens de croiser. Ah, il a perdu. Ah, bah d'accord, il a perdu. Yes, bon, au moins, on a cru en l'humain. Du coup, là, c'est le moment de l'ATP.
là-bas, parce qu'il y a un gars qui veut voir la photo du type qu'on vient de prendre en photo. Donc on se TP là-bas, on va rendre la quête. Ça nous fait clear des quêtes, c'est bien. Je vais voir si Twitch a répondu à mon mail, si le support Twitch. Pas Twitch tout seul. Bizarre de se TP à l'autre bout de la map. Parce que je suis vraiment TP très loin quoi. Ok ok, on se rabait contre un remède. Remède qui tape plus fort. Vas-y, qu'est-ce que tu me proposes d'où? Qu'est-ce que tu as à me proposer? Des flèches, toujours prendre toutes les... J'achète tout. J'achète toutes les flèches, toujours. Et si je peux te vendre des trucs, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vendu des ressources. Genre comme l'ambre. Je t'en vends 10 puisque j'aime toujours en garder au moins un. Au cas où on me demande un moment. 300 rubis, attends, on est toujours pas aux 3000. Hein. Mais on avance. En même temps, si on n'a pas perdu 400 en jeu d'argent. Ne jouez pas au jeu d'argent, les enfants. On n'a pas perdu 400 en jeu d'argent, ce serait pas mal. Sinon, qu'est-ce qui me sert à rien? J'en sais rien. Qu'est-ce qui me sert à rien en fait? J'ai pas trop pris des ressources en fait. Comme l'opale et tout. Ah, j'en ai pas beaucoup. Non, 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 j'ai pas voulu. Oh, je vais vendre des plats. Je vais vendre des plats à 90. Ah, mais attends, mais si, est-ce qu'on peut lui vendre des armes? On peut vendre des vêtements. Le pantalon lié, on s'en branle. On peut pas lui vendre un truc à 30. 605. Ah. Laisse tomber. Bon, je vais rendre ma quête à l'autre là. Qui voulait le truc, la tête de l'autre là? Ah, c'est lui. Oui. Je veux savoir à quoi ressemble Kipton. Très belle photo d'ailleurs. Il est vraiment sinistre. Pourquoi ils veulent pister? 100 rubis, bah voilà de l'argent. Bah ça nous a validé des quêtes ça. Pratique. J'aimerais... En fait là j'aimerais... Oh! Lui il fait quoi déjà? Je sais plus. Ouais, non, d'accord, mais il dit rien. Mais le truc, c'est que là, j'aurais bien aimé... Il y a deux trucs que j'aimerais faire, c'est soit trouver la tour de la zone, soit réussir à faire la dernière quête que j'ai pas fait, puisque le sanctuaire, il m'aiderait beaucoup, quoi. Ça serait le huitième, et en plus, il y a un truc au village. Je pense que je vais plutôt essayer de trouver la tour de la zone pour un peu y voir plus clair dans la zone et pouvoir la fouiller mieux. Voir fouiller mieux la zone. Que là, je suis au full pitch dans la zone, je ne comprends pas ce qu'il y a, je ne comprends pas ce qui se passe. On me parle d'un étang des amoureux, je ne peux pas regarder sur ma map pour voir. Ok, bon là, on est un peu en hauteur. Faut juste que je me resitue. Je me resitue. Là, c'est l'endroit où on a débloqué le sanctuaire. Donc, il faut plutôt aller vers cet endroit-là, si on veut aller dans le plus gros de la zone. C'est l'endroit où on était tout à l'heure. Je pense que la prochaine session, en fait, j'aimerais bien finir les deux trucs que j'ai entamés. Prochaine session, ça serait... Essayer d'aller faire une créature de la quête principale, ça fait longtemps. Je sais pas non plus si c'est très dérangeant, je prenne mon temps comme ça. Le village, il est là-bas, donc on sait que c'est pas là-bas. Déjà. Toujours regarder à la hauteur. Là. On voit toujours rien. Il y a un bel arbre.
C'est vrai qu'on prend pas beaucoup de photos là. C'est vrai qu'on avance très peu les photos. Les photos, les 12 photos là. Ah, ici, il y a un truc pour de la vie. C'est un truc pour de la vie, ça, ce truc. Et une grosse montagne. Grosse montagne. Attends, je vais la regarder pour voir à quel point elle est dans la zone. Allez, c'est du bout de zone, ça. Du bout de zone, mais si la tour, elle est tout au début de la zone, ce qui est possible, hein. Ça se trouve, il fallait poser une pomme aussi sur l'autre. J'essaie de poser deux pommes. Prendre. Ça a déjà marché, ces techniques-là, donc... prendre. Let's go, la Korgu! Son star, il servait forcément à quelque chose au milieu comme ça. Ouais, je sais pas trop où est la tour... Déjà, à quoi sert cet endroit aussi, là? Parce qu'on a quand même un... petit recoin, je dis que ça sert pas à rien, entouré par les montagnes. Moi qui ai un chemin. Oh, j'en ai marre de mon endurance. C'est quand même relativement vite comme zone. Il y a un chemin dans la montagne. C'est là où ça serait pratique d'avoir un cheval pour ces plaines-là. Une grotte. Forcément un truc dans la grotte. Pas juste bêtement ressortir de l'autre côté, je pense. Et on peut grimper là. Tu ressors bêtement là? Ouais, un peu déçu. Il se passe pas plus de trucs là? On grimpe là. De la chatte que je me suis arrêté pile au moment où je pouvais récupérer mon énergie. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Non, c'est non. Pouh. Du coup, est-ce que ça sert à quoi sert cet arbre? Il est chelou, cet arbre. Je me dis, il est encore une fois, il est pas anodin, quoi. Oh là, l'enchaînement des Korogus. Putain, un arbre comme ça, bah deux arbres d'affilée assez spéciaux. Mentir, ça met la puce à l'oreille. Quel enfer, on est retourné là du coup. Oh mais ce tournage en rond qu'on est en train de faire. Bon, après on le fait pas inutilement, on trouve des Korogus, on trouve des trucs qui vont nous être utiles pour la suite quand même. Mais... c'est une immense zone vide en fait quand même ici. Hein. Faut que je grimpe en face. Hein. Je vais finir par la trouver cette tour. Le problème c'est qu'ici, où est-ce qu'on va faire des pauses dans la montée? Ouais, c'est pas si haut que ça je pense. Ça paraît haut, mais ça l'est pas tant que ça. Je pense que je peux même me permettre de faire des sauts. Ok. Ouais,
chatte. Ok, là, c'est une zone où on n'a jamais été. On n'a jamais vu des trucs d'ici. Toujours une grande montagne ici. Ok, une petite oasis, mais encore une fois, pas de... Ça a l'air d'être une zone un peu tropicale. Je vois une tour au loin, j'espère que c'est pas la tour de la zone, elle me paraît quand même loin. Cette tour là, si on la ping, ça fait quoi? Ah oui, bah, c'est la tour de deux zones à côté, carrément. Pas fait les choses à moitié. Okay. En tout cas, j'aime beaucoup ici, c'est très joli. C'est très joli, mais... Oh, les arbres en haut, il y a une korogu à choper. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces arbres? C'est pas juste... C'est pas juste disposé là par hasard, c'est pas possible. Oh, durian max. J'ai que du durian, là, c'est du durian max. Du coup, on peut prendre en photo le durian max. Oh, j'aimerais bien l'attraper, quitte à être là. Mais non, mais ces arbres, ils servent à quelque chose. Ils sont disposés d'une manière tellement... Bah juste les arbres à durian max et... Il y a une énigme qu'il y a ça. Il y en a encore, mais attends, mais il y en a plein ici. Il y en a aussi plusieurs sur les autres. Hein. Oh, mais ça régale. Je suis sûr que ça donne plein de vie. Bah... Je l'avais pas vu lui. Je vérifie que je vais pas taper avec le marteau. Ouais, ça aurait peut-être du gâchis de taper avec le marteau. C'est vraiment les one shot. Alors, quelle est l'énigme qui va être liée à la zone? S'il y a des sortes de griffes qui sont reliées au sol. Ça fait un peu une zone tropicale, j'aime bien. Mais je vois toujours pas de tour à l'horizon, c'est fou. Alors qu'on a vu celle qui était à deux zones d'écart. A mon avis, la tour, elle va sortir de quelque part, ou je sais pas, un truc comme ça, c'est pas possible autrement. Elle va sortir du sol comme la première est sortie du sol, je crois. Il y a un truc. Peut-être autrement. Oh, fleur lame, on n'a pas encore eu ça. Comme ce qu'on n'a pas vu, on prend photo. Est-ce que ce serait pas la tour là-bas? Non, c'est un truc de méchant. C'est un truc de méchant. Alors, ah oh, mais c'est très très stylé cette zone. J'aime beaucoup. Truc orange. C'est quoi ça? Il y a un truc là intéressant, et là derrière il y a un sanctuaire. Et la tour elle est là. J'ai plus de balise, bon on va y foncer tout de suite avant de l'oublier. Ok, la tour est là. Ah oh, mais Rolu elle est pas là quand je trouve la zone des cascades. Clairement la zone des cascades que je viens de trouver là. Il est bizarre cet arbre. Il y a d'avoir tellement de courant, j'ai pas envie trop de m'aventurer dans l'eau. Ça? Qu'est-ce que c'est dans l'eau là-bas? Kezako? Ah, il y a clairement une énigme ici, hein. Quoi si on la fout dans l'eau de carré là-bas? C'est l'énigme, elle va pas juste servir à réceptionner le coffre qu'il y a dedans, ça me paraît trop con. Je sais pas si je la fous dedans là. Ça serait trop bizarre. J'ai pas la distance. En plus, c'est fait exprès pile pour qu'il y ait la distance.
Sérieusement, j'ai pas la distance là. Salut. Salut. J'ai pas prévu ton arrivée comme ça, mais... Qu'est-ce que je fous là, du coup, moi, là? Enchanté. Trop bien. Celui que j'ai vu tout à l'heure, on est d'accord. Il y a plein de coffres en dessous. Oh, c'est le caillou qui m'intéressait. Il y avait un truc à faire avec le caillou. Il y a une chaîne ici. Ah, c'était juste ça en fait. T'es bon, enchaîne les corbeaux. Ah, c'est une session efficace. Bon, ceux qui ne jurent que par le scénario principal jugeront que c'est une session de merde. Mais je trouve que c'est une session efficace. Par contre, on va quand même manger, parce que là, on n'est pas bien. Dix, non. 7. Bon, 6, on va dire que ça colle. Du coup, ce caillou-là, j'en fais quoi? Capte pas. Ça m'a un truc à faire si on peut le choper. Peut-être que je l'enlève aussi de l'autre. Il y a beaucoup de coffres dans l'eau. On va essayer de réceptionner les coffres. Je sais pas si c'est lié à la zone, mais la brume là, ça aide pas de ouf non plus. Un coffre ici. Il y en avait au moins 3. Hein. Ils sont si profonds que ça, je suis à côté là quand même. Je l'ai pas saisi, merde. J'espère qu'il y a du loot stylé parce que je vais pas avoir beaucoup de place. 10 flèches, ok, bah ça me va. Au moins on doit être bien le niveau flèche avec tout ce qu'on a eu. Rubis, ok. On n'a jamais trop de flèches et jamais trop d'argent, en vrai. Ah, il est où, c'est l'autre que j'avais sorti? Il est retombé. Il n'est pas sorti un autre que j'ai pas ouvert. Il est retombé, en vrai. Avec le vent. Par contre, ouais, du coup, j'ai résolu l'énigme de la Korogu, mais il y a deux autres coffres qui sont chelous et je sais pas trop à quoi ils servent. Rubis encore. On attend les 2000, du coup. Il y a deux là de coffre aussi. Du coup, il suffit de mettre un truc de glace. J'arrive à le placer. Ouais, à moitié. Il est passé où le coffre? Ah, il est là. Final. Ça fonctionne. Ah, les trucs de bois, c'est toujours qu'il y a des flèches dedans, non? Ah non, c'est des minéraux. Et le vent! Je me fais tonne par le vent. J'ai envie de monter là pour casser l'autre. Mais du coup, il revient pas là, la créature qui est sortie, elle va jamais revenir. Bah oui, c'est lié au vent. C'est lié au vent. Bah oui. Bah oui, je suis trop con en fait. Juste trop con. C'est lié à la Par contre, je pense que tant que je l'active pas la quête, je peux rien faire avec. Ça va retomber avec le vent. Je suis trop con, putain.
J'ai quoi? Il rentre ou il sort? Il est rentré, il est ressorti immédiatement. C'est très joli hein, quand tu tombes dessus par hasard, mais... En fait, aussi quand tu tombes dessus par hasard, c'est que tu sais pas trop quoi en foutre quoi de cette bestiole quoi. C'est bon, allez, il s'est barré entièrement encore une fois. Tu vas me laisser prendre mon coffre du coup. Tout ça pour un coffre, on le rappelle. Hein. Après elle va où? C'est pour une lance de soldat frère. Des regrets. Va la sortir, salade pierre. Je peux juste la cinétiser. Mais ça va pas sortir de son carré. Du coup, je pense qu'il y a un délire avec le fait de la sortir de son carré, hein. Bah du coup j'ai eu un poisson, j'ai même pas fait gaffe. Comment on va faire? J'ai pas un coup de... Pire, je peux foutre un coup dessus. Je la cinétise. Et je prends... Je prends mon maillet ressort. C'est trop dur de la faire sortir. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à la faire sortir. Hein. Mais je suis con, faut que je foute un truc dessous. Du coup, maintenant, quand je la cinétise, je peux la taper. Ouais, ça devrait être bon. Il y a encore plein de coffres dans l'eau, mais on va pas tous les prendre. Hein. Et ça me débloque juste un vieux coffre. C'est bien que je vais être un peu déçu, mais... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Lâche! Lâche! Arrête ton délire. Bon, tout ça pour deux coffres. Je me dépêche, je vais les ouvrir avant que l'autre revienne et qu'il me les refoute à la flotte. Tant d'efforts pour deux coffres quoi, putain le seum. Bon, au moins on a des flèches de glace et tout, qu'on n'utilise pas trop, mais on a des flèches de glace et compagnie. Et ben je pense qu'on va quitter la zone, hein. On va essayer d'avancer vers la tour. En général on arrive toujours à arrêter vers une tour. En fait c'est le destin qu'on mette du temps à la trouver, puisque le jeu veut qu'on finisse au niveau de la tour comme d'habitude. Ah mais il y a une grotte, ça me donne envie. Avançons vers la tour. On a dit qu'on ne devait pas la perdre de vue en plus, vu qu'on a, on a plus de place pour la ping. Je sais pas où elle va, la bestiole, entre guillemets. Oh non, pas un linel. Non, 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 non. Bah peut-être que maintenant je suis plus fort après, hein, mais... J'ai pas assez de bouffe en fait. Elle va où la bestiole? Si tu veux la taper une fois, on sauvegarde et on se la tape une fois. Je crois que la save était déjà bonne, hein, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on se prend comme pouvoir? Il n'y a rien qui peut être utile comme pouvoir. Juste que je prenne des bonnes armes. J'ai un bouclier niveau 40, s'adapter. On prenne, je sais pas, l'âge niveau 60. J'ai déjà commencé par bégayer en me trompant de bouton. C'est un classique, hein. Une chose qu'on a déjà battu il y a très longtemps. Je me dis qu'on peut le battre.
de l'autre côté. Ah mais ces attaques aériennes, tous les linels, je... Je dois pas essayer de le taper. Il m'enlève beaucoup moins de vie que les autres, hein, j'ai l'impression. Bon, même si là, il m'enchaîne. Il m'enchaîne, mais il m'enlève pas tant que ça. Quoi faire pour l'attaque aérienne, vraiment? Il la farm. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Faire exploser. Ah, ça le stunt en plus. Comment éviter les attaques aériennes des linels? Vraiment? C'est le problème. J'ai explosé, en tout cas c'est pas mal. Hein. Quand je me fais pas exploser, évidemment. Je pense qu'on va le battre en vrai. Est-ce que les linels de base, ils ont pas l'air très forts? Et non pas parce que je suis doué. Hein. Ah, en fait, il faut juste qu'on encaisse les choses sur notre bouclier en fait. Il m'enlève rien en vie. Je peux me permettre de jouer comme une merde. Je fonce dessus. Je suis con. J'ai oublié que j'avais le truc explosif. J'ai oublié que j'avais le truc explosif et du coup bah je me fais péter. Attention hein. Par bien, c'est pas pour qu'on fasse de la merde. On va se remettre les flèches classiques, hein, on va éviter de. On peut pas s'envoler avec tout le feu qu'il y a, c'est pas le principe. Quel chien. On a réussi très facilement à lui enlever sa première partie de vie, mais là, ça bégaye. Hein. Bon, manger des pommes. Hein. Le problème c'est qu'en pomme maintenant ça nous coûte cher hein, de se remettre bien. Ok, on a réussi. Encore. Défaut de l'avoir tapé, ça nous a fait esquiver son attaque. On en casse avec le bouclier, même si mon bouclier va sûrement aussi bientôt se casser. Oh, j'ai voulu être agressif plutôt que défensif. Fait mal quand même là. Non, là c'est l'esquive la plus facile à faire et c'est celle que je fais pas. Oh oui, l'esquive là elle est bien. Et en plus j'ai pas beaucoup de vie donc fallait pas que je fasse la merde. Dommage qu'elle se brise instant mon arme. On va pas le taper qu'un truc niveau. On mange un petit coup. Bon, on finit par un petit linel, c'est pas mal. Après les avoir tous évités. On encaisse avec le bouquet. J'ai pas laquelle faire là. Ok, mon bouclier s'est cassé, mais on le finit peut-être. Non, pas de risque, on reprend un bouclier. Non, celui-là faut que je le garde au cas où il y a de l'orage. Faut juste que quand il y a de l'orage. J'essaie de m'envoler, j'y arrive pas. Ça le finit là quand même. Ok, deuxième linel battu. Deuxième fois qu'on bat à linel. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas battu un.
On avait évité ceux des neiges qui étaient un petit peu trop forts pour nous. Puis voilà. Arc de Linel. On va faire une place pour un petit arc de Linel. Il faut qu'on garde un arc en bois. Du coup, on va virer un arc comme ça. Mais est-ce que c'est mieux, vraiment? On va voir. Niveau 14 x 3. Attaque plus 4. Ça décoche 3 flèches à la fois. Mais ça va me coûter une blinde en ressources. Ok, ben Linel battu. C'était un peu cher en bouffe, mais comme à chaque fois, hein. C'est ce tour-là qu'on a marqué. Non, mais on a des grands malades d'avoir marqué ce tour-là. Voilà, démarqué. On retient qu'elle est là. Effacée. Mais attends, mais... Même celle-là, c'est la tour d'une... La... C'est même pas la bonne. C'est la zone à côté, ça aussi. Elle est où, la tour de cette zone? En fait, même celle que j'ai repérée en probé, c'était la tour de la zone d'à côté. Quel enfer! Oh, le pont! Il y a un truc sur le pont, je crois. Mais quel enfer! J'ai même pas repéré la bonne. Oh non! Il est où, cette tour? C'est impossible! J'en vois plein, mais pas les bonnes. Une grosse plaine. Je trouve qu'elle est au milieu de l'eau, hein. Au milieu de la zone un peu tropicale. Il est chelou, cet arbre. Il y a un truc à faire avec cet arbre. Parce que là, limite, je suis sorti de la zone, déjà. Non, je suis tout au bout. Oh, j'ai pas vu. Est-ce qu'il a une boule accrochée encore? Il y a un truc accroché. Tu pour savoir. Les inox, on n'avait pas croisé au début du jeu, mais là on en croise plein. Il y a juste des armes. Non, j'ai chargé mon attaque pour rien, ça l'a pas fait. C'est juste les armes qu'on peut récupérer. Il n'y a rien d'autre qui serait intéressant. On va prendre ça et on va le full charger dans la gueule. Oh, on a été touché par le choc, sérieux. Au moins, il nous a donné du riz. Donc on fasse attention. Ah, il se cache l'œil. Au moins, on lui fait des dégâts. On n'a pas énormément de trucs pour se soigner, donc si on peut lui faire juste des dégâts, au pire. J'allais dire, il tient un truc, il veut pas cacher son œil, mais si. Oh! Vas-y, on l'a fini comme ça. Épée de chevalier, arc de chevalier. Mais arc de chevalier, c'est parce qu'on a déjà en 15 000 exemplaires? Si. Espadon de chevalier. Par contre, c'est espadon de chevalier, je pense que je vais prendre. De toute façon, ça, c'est bientôt mort. Oh, une baie. Première fois qu'on a une baie. On n'a jamais vu de baie. Et du coup, mais... Elle existe bien, la tour de la zone. Où est-ce qu'elle est? C'est la tour de la zone d'à côté. On voit les tours des deux zones d'à côté, mais on voit même pas celle que... Celle qui nous intéresse. En fait, c'est ça! Je suis trop con, en fait, c'est ça! En fait, le bout que je voyais, c'était le bout de la tour! Ah, totalement dingue. J'ai pas capté. Il suffisait que je râle et je tombe dessus. Putain, enfin! Et du coup, on peut faire vraiment le truc d'arrêter à une tour. Mais du coup, elle était un peu au milieu des montagnes. Tabecheka reconnu.
Let's go, on va pouvoir regarder à quoi ressemble la zone et couper là. Ah bah enfin. Montre-moi tout ça dans le GPS. Elle est immense cette zone. Alors on y voit un peu plus clair quand même. Au moins on comprend un peu où, qu'est-ce qui est où, parce qu'on sait qu'il y avait une île, mais on ne savait plus exactement à quel endroit elle était sur la map. Et ça, plage coco et finaliste, plateau de coco. On n'a pas fait ce petit truc, c'est sûr qu'il y a un truc du coup. On va nous voir des trucs. Et il n'y a pas 50 000 îles en bas. Là, c'est le truc qui nous a dit de libérer ce qu'on a fait. Et ben, ok. Ok, bon, on verra ce qu'on peut faire la prochaine fois si on arrive à résoudre enfin la quête qu'on n'a pas compris, qui était à côté du village. Côté du village des Carailles. Ce cap là qu'on a fait d'un bout à l'autre sans comprendre. La plage d'à côté. Du coup, qu'est-ce que ça pouvait être la plage d'à côté? Je trouve que c'était sur la plage d'Ilugan. Utiliser la plage d'à côté. Je sais pas. Et ben, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus personne. On se retrouve à 20h30 pour le canapé.